Feel it all. Feel that there is nothing else like it. Feel perfection, freedom, feel the air, the breathe, the light through its marbling. Feel your eyes close, the aroma, that unique flavor of Iberian ham. Feel its reminiscence in your mind, nature. Feel the desire to have it, the need to share it. Feel another level, with intensity, because this is how passion feels. Because this is how ham, Iberian ham, is enjoyed. Ham, the passion of Europe. Enjoy, it's from Europe. Bonjour à toutes et à toutes, chers étudiants, chers professeurs. Depuis 2 ans, nous avons un partenariat avec un syndicat de producteurs de jambons ibériques. Les 2 dernières années, nous avons fait partie du Ham Passion Tour, qui est une visite de professionnels d'exception qui viennent présenter leurs produits, qui sont les jambons ibériques. Cette Ham Passion Tour passe notamment par Londres, par Madrid, par Berlin et s'arrête régulièrement à Paris. Nous avons la chance de les accueillir donc depuis 2 ans. Cette année, ils viendront non pas en direct dans l'établissement, mais nous les aurons en visioconférence le 26 novembre à l'amphithéâtre du lycée Jean Drouot. Lors de cette masterclass, un petit peu exceptionnelle vu les conditions sanitaires, nous aurons le plaisir de découvrir leurs produits d'exception de la haute gastronomie espagnole et surtout, ils nous feront découvrir la passion de la découpe du jambon. Ils nous montreront toutes les parties qui constituent ce produit d'exception de la gastronomie espagnole, emblématique, et nous montrerons comment on peut découper chaque partie et les présenter notamment sur assiette pour en faire quasiment des sculptures gastronomiques. Nous vous souhaitons une excellente masterclass. Quiero daros la bienvenida a esta jornada formativa a través del programa europeo. Je souhaite vous donner la bienvenue par le biais de ce programme Ham Passion Tour où nous allons expliquer dans cette masterclass qu'est-ce que c'est que l'ibérique, qu'est-ce que cela veut dire et quels sont exactement les concepts lorsque nous parlons de cette production emblématique de la culture et la gastronomie espagnole. Par le biais du chat. Estamos en traducción simultánea, con lo cual podéis hacernos también preguntas a lo largo de la charla y que después al final os estaremos encantados de poderos responder a esas inquietudes que podáis tener. ¿Quién desarrolla esta campaña Ham Passion Tour? La desarrolla. Nous allons avoir l'interprétation simultanée, donc vous pouvez poser aussi des questions tout au long de la présentation. Empezó a funcionar en el año 1992 y que fue aprobada estatutariamente ya y legalmente a través o después del año 1999. Après 1999, par le ministère d'Agriculture, l'association interprofessionnelle du porc ibérique est représentée de façon paritaire, c'est-à-dire égalité de représentants par les exploitations d'élevage, les éleveurs, et aussi, dans la parité, nous avons les industries, c'est-à-dire les secteurs responsables de la transformation et la commercialisation de ce produit emblématique. L'association interprofessionnelle a pour but d'offrir formation et information au secteur producteur et aux industriels. A une présence aussi dans les administrations et mène à bien des programmes de développement et de production. Une partie de ce travail, c'est le travail que nous menons à bien, par exemple, lors de cette journée et avec le programme Ham Passion Tour, un programme européen ambitieux que nous avons mis sur pied il y a 3 ans avec l'aide de l'Union européenne et un budget de 3 millions d'euros pour diffuser un produit emblématique dans différents pays, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne en particulier. Et nous avons eu l'occasion aussi de présenter ces projets dans un pays tiers tel que le Mexique. Quelles sont les valeurs que Ham Passion Tour peut transmettre? La connaissance, bien entendu, afin de valoriser l'importation, l'exportation de produits ibériques.
dans les différents pays que j'ai déjà cités et qui sont les importateurs principaux des produits ibériques, France, Allemagne et Royaume-Uni, en particulier dans les contextes européens. Donc, ceci donne de la valeur et nous voulons continuer à donner de la valeur avec Hump Passion Tour. Qu'est-ce que c'est que le secteur ibérique en tant que secteur d'élaboration en Espagne? Eh bien, le secteur est composé par plus de 16 000 exploitations d'élevage, 72 abattoirs où on sacrifie des animaux ibériques exclusivement et 750 ou 760 à peu près industries de transformation et d'élaboration qui donnent le produit final aux consommateurs. Nous croyons qu'il s'agit d'une valeur importante d'un secteur petit, mais qui gère quand même des chiffres d'affaires très importants. Les chiffres d'affaires sont de plus de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire presque 8% du produit de viande facturé dans le contexte national. Il s'agit donc d'un produit emblématique important qui donne de la valeur et des valeurs qui marquent la différence. Et ensuite, il faut coordonner, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un produit de viande, mais on parle de la diète, de la culture, de la nourriture. Et ces valeurs qui marquent la différence commencent à partir de l'origine du porc ibérique. On est en train d'identifier clairement l'origine du territoire, le territoire et la péninsule ibérique, tant le Portugal que l'Espagne. Dans ces contextes, dans cette origine, nous donnons de la valeur à la culture, à la tradition, à un héritage que nous avons reçu de nos arrière-parents et au-delà pour le passer au monde de l'hôtellerie, pour que dans l'avenir, vous puissiez aussi mettre en valeur dans la cuisine, dans les assiettes, cet avenir qui doit être développé. C'est très important de savoir d'où nous venons, ce que nous faisons, qu'est-ce qu'on apporte, quelle est notre contribution. Et notre contribution est les valeurs de durabilité, le bien-être animal, la traçabilité d'un produit, la situation que nous avons. Et nous voulons aussi voir au sein du produit, des éléments qui sont très éléments, à savoir la race et l'alimentation. Qu'est-ce que c'est que la race? La race, c'est la race ibérique, à savoir des animaux 100% ibériques, 75% ibériques ou 50% ibériques. Et en plus, il y a des différences très claires selon la nourriture, l'alimentation. Une alimentation basée sur la DS, la DSA, que nous voyons maintenant sur l'image, et qui donne une valeur différente à n'importe quel produit. Donc, de cette DSA, ces terroirs centre-ouest d'Espagne, se nourrissent les animaux avec de la bellota, des glands qui vont donner donc une valeur différente dans un autre écosystème. Nous devons parler aussi, lorsque nous parlons d'alimentation, des appâts des champs, les cebos. Donc, les appâts des champs sont essentiels et après, il y a des animaux alimentés par des aliments composés, des céréales ou légumineuses. Et les porcs sont dans les granges et, comme je disais, alimentés aussi par des céréales et légumineuses. La race et l'alimentation, en tout cas, vont donner de la valeur à notre travail professionnel. Selon la nourriture de l'animal et selon la race, nous allons avoir des scellés différents de qualité ou de garantie. Nous allons expliquer ensuite ce que cela veut dire. Et nous pouvons parler aussi de la durabilité sociale et économique et de la valeur que nous donnons à un écosystème de la DSA avec plus de 3,5 millions d'hectares en Espagne, ce qui donne de la valeur. Évidemment, nous sommes dans des zones rurales. Nous faisons la capacitation pour que ce soit un défi, un enjeu pour l'élevage extensif. Et nous donnons aussi de la valeur à l'emploi, c'est-à-dire des valeurs essentielles qui marquent la différence du secteur et du jambon.
ibérique. Un autre élément qui fait la différence sont les temps d'élaboration, d'affinage de ce produit. Normalement, lorsqu'il y a un produit de viande, après l'abattage, est consommé quelques jours après avec le produit ibérique, l'abattage de l'animal, l'animal doit rester 20 mois en période d'affinage, de maturation dans les endroits pertinents. Et de cette façon, l'affinage dure 2, 3, 4 ans de façon telle à ce que le goût et la texture donnent cette énorme qualité. Dans ces contextes, nous allons maintenant vous présenter une petite vidéo où, d'une façon très simple et intuitive, nous allons vous présenter comment le jambon ibérique est créé et que vous puissiez l'identifier avec ces produits ibériques, jambon ibérique, dans le contexte, dans le contexte espagnol. Enjoy, it's from Europe. Comme vous avez pu voir dans la vidéo que nous venons de projeter, le temps est essentiel. Il faut penser que la pièce doit être dans les processus d'affinage pendant 20 mois ou même, voire presque 3, 4 ou 5 ans. Je vais expliquer maintenant dans les détails les processus d'élaboration que nous faisons pour élaborer ces produits tellement demandés partout dans le monde. Mais auparavant, je voudrais vous dire que vous pouvez utiliser les chats pour poser des questions et ensuite, on pourra répondre et clarifier n'importe quel doute que vous puissiez avoir. Comme j'étais en train d'expliquer,
nous allons présenter 4-5 pas pour que, de façon très simple, vous compreniez comment le produit est élaboré. Tout d'abord, c'est le profilage qui est essentiel à un professionnel de la coupe. Coupe la pièce de jambon avec une façon qu'il y a certaines personnes qui appellent violon ou guitare, et on fait une coupe en V tellement caractéristique du porc ibérique. Lorsque la pièce est profilée, on fait le salage ou la salaison, c'est-à-dire on met la pièce dans du sel humide. C'est 1 kg de sel par 1 kg de viande. Pensez que le jambon, dès qu'il arrive à la maison, donc a été déshydraté. Lorsqu'on fait donc la salaison, la pièce pèse 14 kg. Ça veut dire que plus ou moins un jour par kilo donc resterait dans le sel. Et quel est l'effet du sel dans la pièce? D'une part, le sel aide à déshydrater la pièce, et c'est aussi un conservateur naturel, puisque tout le processus est naturel. C'est une façon de garantir la sécurité alimentaire du produit. Après la salaison, on fait les lavages. On lave la pièce, on enlève le sel superficiel et on passe au séchage ou dessiccation. C'est à ce moment-là où on contrôle la température et l'humidité par les biais de chambres frigorifiques. C'est très important puisque la chair, le jambon, est une pièce qui est crue encore. Donc, il faut contrôler la température et l'humidité. Dans ces chambres de séchage, on contrôle l'humidité à 3 degrés, on monte la température et on réduit l'humidité pour faire en sorte de produire ces salages uniformes dans la pièce, tellement caractéristiques qui se traduit en goût. Lorsque quelqu'un goûte les jambons, ça goûte donc l'affinage, la douceur, le sel. Et je récapitule, nous avons fait le profilage, nous avons fait la salaison, ensuite séchage de la pièce. Et après, on passe au salage, au cave de salage naturel, de séchage naturel. C'est dans ces naves où on dit avec amour que le jambon dort. Donc, ce sont des processus où on ferme les fenêtres et l'affinage du produit se produit. Le jambon peut rester ici pendant 2, voire même 3 ou 4 ans. Cette phase est très importante puisque c'est là où les goûts, les arômes, la saveur est tellement particulière et différente. Ces endroits pour le séchoir naturel se trouvent dans la péninsule ibérique. L'écosystème est essentiel. La température, l'humidité autour de ces endroits de ces séchoirs sont essentiels pour l'affinage. Après les 2, 3 ou 4 années passées dans les séchoirs naturels, il ne resterait plus qu'à faire jouer le rôle du maître jambonnier. Ce maître, c'est une personne qui a une énorme expérience dans la perception du jambon. Il sait à quel moment le jambon est optimal pour la consommation. Comment? Par le biais du toucher, il pousse et le sondage qui est un élément essentiel. C'est comme un élément qu'on introduit dans 3 parties du jambon différentes afin d'apprécier l'arôme, la saveur. C'est la meilleure façon de voir si le jambon est parfaitement affiné et à point. Lorsque le maître jambonnier a vérifié que le jambon est prêt pour la consommation, il part pour la vente. Donc, avant la commercialisation, toutes les pièces de jambon ibérique sont vérifiées afin de garantir que le point est optimal. Ceci est essentiel puisque une fois les jambons à la maison, on aura les 4 sens pour vérifier donc la vue avec ces rouges tellement caractéristiques, les veines tellement
fines et caractéristiques que nous pouvons voir les veines infiltrées dans les jambons, tellement caractéristiques de notre produit. Mais le toucher est aussi important. La texture est très douce. Et en plus, lorsque nous commençons à sentir les jambons, nous découvrons les nuances, l'arôme. Un produit qui a passé 2-3 ans en train de dormir jusqu'à arriver au point juste d'affinage. Et lorsqu'on goûte les jambons, à partir du moment où on les sent et on l'introduit en bouche, on découvre cette saveur tellement caractéristique, umami qui mélange le doux, le salé et qui fait qu'une tranche de jambon ibérique, c'est quelque chose d'incomparable. C'est un instant en bouche, mais un souvenir éternel. C'est ça que nous disons. C'est un produit unique et nous sommes les premiers à connaître, à savoir que nous avons un produit spécial, différent de ce qu'on peut trouver sur le marché. Voilà pourquoi nous sommes les premiers intéressés à garantir aux consommateurs que c'est un produit vraiment ibérique. Voilà pourquoi les secteurs avançaient énormément. Nous avons visé sur les nouvelles technologies, sans oublier la tradition et la culture du produit, mais nous avons mis sur pied 3 initiatives que je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre que nous vérifions que c'est un produit 100% ibérique. Nous avons un système de traçabilité qui s'appelle Ithaca. Nous avons donc une pose de scellé obligatoire pour chacune des pièces qui sont sur le marché. Et en plus, il y a une appli qui permet de faire le suivi de la traçabilité de la pièce. Qu'est-ce que c'est que Ithaca? Ithaca, c'est un programme d'identification, traçabilité et qualité. Donc, un système web qui fait la traçabilité des pièces depuis la naissance de l'animal, on identifie l'animal et les parents, jusqu'au point de vente. C'est-à-dire que tout le processus d'élaboration du produit est contrôlé et parfaitement tracé, suivi, puisqu'il y a une norme de qualité qui légifère, qui établit les normes de qualité minimum pour un produit ibérique sur le marché. Cette norme de qualité définit différents éléments dans les différentes phases. Donc, au fur et à mesure que les règles sont respectées, on peut avancer dans le processus d'élaboration. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Par exemple, si moi je suis un éleveur d'un produit de biota, des glands, donc la norme de qualité dit que pour identifier le produit en tant que biota, l'animal pendant les derniers 60 jours doit être dans la DSA, en train de manger dans la montagne, libre, en train de manger les glands. Si l'animal va à la montanera, on ne peut pas faire l'abattage. Si les 61 jours de la norme ne sont pas passés, mais en plus, il faut grossir de 46 kilos en mangeant seulement des glands. C'est ça qui fait les goûts aussi caractéristiques. Le système de traçabilité permet d'avancer dans les processus au fur et à mesure qu'on respecte le paramètre de qualité minimale de la norme minimale, c'est-à-dire qu'on peut aller au-delà. L'animal peut grossir au-delà de ses 46 kilos ou rester plus de temps dans la DSA. Cela va avoir un impact sur la qualité du produit. Et ce système de traçabilité fonctionne grâce au fait que les éleveurs et les abattages donnent de l'information de leur travail et de leur produit. Nous avons un système maintenant qui permet de faire une radiographie en temps réel. Donc, je peux savoir combien d'animaux ont été sacrifiés, avec quel poids, d'où ils viennent. Un autre exemple, dans les abattoirs, nous avons un système pour peser, pour établir le poids de carcasse. Donc, à l'abattage, on regarde le poids de carcasse. Si le poids minimum est respecté, l'animal est considéré ibérique. Autrement, il serait un produit de viande affinée, mais pas ibérique. Voilà le niveau de contrôle, puisqu'on parle d'un produit gourmet unique. Donc, on attend toujours et on cherche, on vise la qualité maximale. On pèse l'animal, la carcasse, et s'il est ibérique, donc avec
les SIBO, donc l'alimentation, etc., on établit un scellé des couleurs à chaque pièce. C'est scellé, cette pose de scellé reste dans la pièce jusqu'au moment où la pièce arrive à la maison pour le consommateur. Vous voyez ici les quatre scellés que nous avons, noir, rouge, vert et blanc, et chaque scellé qualifie ou classifie une catégorie de jambon ibérique. Nous avons donc quatre catégories de jambon ibérique, quatre poses scellées différentes, le noir et le rouge. Nous parlons là de produits de Peyota et les autres, c'est des alimentations composées. Donc, noir, ça veut dire 100% ibérique. Rouge, ça veut dire 50 ou 75% ibérique. Pour l'alimentation composée, quelle est la différence entre vert et blanc? Vert pour les animaux qui sont donc dans le cebo de champ et le blanc, ils sont dans les fermes. Selon l'alimentation et la race, donc on pose un scellé d'identification dans chaque pièce. Et qu'est-ce qui est le plus important de ce système? Eh bien, qu'on donne le plus grand nombre de garanties aux consommateurs. On dit clairement aux consommateurs que lorsqu'il achète un produit ibérique n'importe où dans le monde, la meilleure garantie est qu'il cherche ces scellés d'identification. À partir de là, ce scellé, je vais vous le montrer. Nous avons ici cette étiquette, on parle d'un produit ibérique de Bellota et vous voyez que derrière, il y a un code barre. Les codes barres, c'est comme l'identification de la pièce. Donc, ces codes barres permettent de faire la traçabilité de tous les programmes de façon intégrale. On peut savoir quel est l'animal, qui étaient les parents, où il a grossi, s'il a été dans une montanera pendant combien de temps ou dans quel abattoir il a été sacrifié. Donc, depuis 2014, la norme établit qu'il est obligatoire de poser ces scellés pour donner cette garantie. Et grâce au code barre du scellé, pour garantir la transparence et la traçabilité aux consommateurs, nous avons lancé une appli qui s'appelle Iberico, qui permet aux consommateurs de regarder justement toute cette information pour chaque pièce. Cette application gratuite, interactive et très intuitive, très facile d'utiliser, est disponible pour les systèmes Google et Apple, et on peut analyser ou regarder la traçabilité, c'est-à-dire que l'information du système d'Ithaca est introduite dans l'application pour le consommateur. Je vais faire maintenant une démo si simple que ça. Donc, j'ouvre l'appli, je peux lire le code barre par le biais d'une photo. Donc, j'approche le téléphone au scellé pour lire le code numérique. Mais s'il y a un problème de lumière ou n'importe quel souci, je peux aussi introduire le numéro de façon manuelle. Et l'information qui apparaît est celle-ci. Donc, nous avons six éléments. Tout d'abord, les codes numériques qui identifient la pièce. Ensuite, nous parlons de quel type de jambon il s'agit, si c'est le jambon donc, ou l'épaule. Vous savez que nous avons parlé de Bellota et de Campo. Donc, selon où l'animal est nourri, on voit si le jambon est 100% ibérique, 75, 50, le mois où le processus d'affinage a commencé. Et nous voyons ici que le jambon a plus de 5 ans d'affinage, de maturation. Donc, un produit prend beaucoup de temps à sortir sur les marchés. Et finalement, la communauté autonome, la région où la pièce a été élaboré. Il y a plus de 72 millions de codes de toutes les épaules, de tous les jambons qui sont sortis sur le marché.
depuis 2014. Depuis l'élaboration de la norme, chaque jambon, chaque épaule ibérique est sorti avec un des scellés d'identification et avec un code unique pour chaque pièce qui permet de vraiment faire le suivi et la traçabilité. L'appli a été vraiment un succès depuis son lancement. Il y a plus de 26 000 téléchargements, plus de 315 000 lectures de scellés, d'étiquettes. Donc, ça veut dire que le consommateur demande cette information. Le consommateur veut connaître la qualité et la transparence du produit. Et pour nous, en tant que secteur, c'est essentiel de donner cette garantie au consommateur. Comme je disais, nous avons les systèmes de traçabilité, les systèmes, donc le scellé, c'est-à-dire que nous garantissons la qualité, la transparence maximale aux consommateurs quant aux produits, puisque nous croyons que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est impliquer les consommateurs dans ces processus d'ouverture et de transparence. Et maintenant, avant de commencer le cours théorique avec Sylvain, notre maître de coupe, je voudrais vous montrer avec une vidéo, le 5-6 conseils le plus important dont il faut tenir compte pour couper un jambon. Et ensuite, la masterclass sur la coupe de jambon va commencer. Voyons la vidéo. Enjoy, it's from Europe. Aquí ahora nos acompaña nuestro maestro cortador, Sylvain. Nous sommes ici avec Sylvain, notre maître spécialiste en coupe. Mais avant de commencer la masterclass, on voudrait répondre aux questions qui ont été posées. Vous nous avez demandé tout d'abord pourquoi l'Ibérique est lié à l'Espagne. Antonio, à toi. Je voudrais tout d'abord vous remercier la question et votre participation
dans cette séance. L'Ibérique est rattaché à l'Espagne puisqu'il vient de la péninsule ibérique, à savoir le Portugal et l'Espagne. Et ça fait partie de nos racines, la culture, la gastronomie, les paysages et la DSA, comme nous avons expliqué. Et c'est un produit de la diète méditerranéenne. Une autre question. Vous demandez s'il est obligatoire que n'importe quel produit ibérique, donc le scellé posé. Effectivement, il faut toujours cette étiquette, cette scellé qui garantit que le produit est ibérique. Je vous rappelle que la scellé est posée à l'abattage afin de garantir que le produit respecte toutes les normes de qualité. Et la dernière question est combien de jambons ibériques sont produits par an? Je crois que c'est Antonio qui va nous répondre aussi. Merci, Jesús. Cela dépend de l'année. L'année dernière, on a sacrifié 3 660 000 animaux. Donc, les jambons x2, donc autour de 7 millions. Mais je souhaiterais préciser que concernant les variétés, les différentes catégorie avec les scellés noirs, rouges, verts et blancs. Chaque jambon a une importance, une valeur numérique. Scellés noirs, à peu près 600 000 jambons sacrifiés, 600 000 aussi pour le scellé rouge, 1 300 000 scellés verts et à peu près 4 millions de jambons du scellé blanc. Comme disait Antonio, le produit le plus exclusif est un produit gourmet. Et les deux catégories de Bellota ne dépassent pas le 1 200 000 unités par an. Pour expliquer d'une façon graphique et claire, si on prenait tous les jambons de toutes les catégories et on les coupait tous en tranches, il n'y aurait même pas une tranche par personne par an. Donc, on parle vraiment de produits avec une production qualité et avec une production limitée et une qualité maximale. Et on vous laisse maintenant avec Sylvain pour qu'il explique son expérience, comment sa vie tourne autour de ces produits et comment il a su vivre grâce à la coupe du jambon depuis 20 ans, je pense. Donc, Sylvain, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette partie plus technique de la journée de formation du Ram Passion Tour. Alors, mon nom est Sylvain Foucault. Je suis trancheur professionnel depuis plus de 20 ans. J'exerce mon métier plus exactement à Saint-Sébastien, dans le nord de la péninsule ibérique, et dans une boutique gourmet en fait. Et il y a une partie de mon activité qui se déroule aussi en événement extérieur, ce qu'on appelle la partie pure tranchage. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est être trancheur professionnel? C'est avant tout un métier un peu spécial dans le monde de la gastronomie, et il s'agit en fait d'une formation qu'on a acquérie auprès d'autres trancheurs professionnels de jambon ibérique notamment. Et il y a cet aspect un peu compagnon. Et il va y avoir ensuite cette pratique qu'on va avoir développée, alors soit dans des boutiques gourmets pour une partie des trancheurs, soit dans la partie industrie pour une autre partie des trancheurs, et ensuite sur des événements extérieurs. Alors les événements extérieurs sont vraiment très divers. On peut être amené à couper sur des mariages, sur des événements comme des salons, aussi comme on peut être amené à trancher sur des festivals. Enfin voilà, on a vraiment énormément d'événements aussi bien dans des lieux très divers, à des moments très divers de la journée. Et ce qui fait qu'en fait, on a jamais cette monotonie dans le travail. Donc c'est vraiment pour ça, à mon goût, que c'est une profession passionnante, et du fait de cette variété constante, un petit peu comme on la retrouve dans la cuisine en général, bien sûr.
Alors, si on résume un petit peu, on serait un petit peu comme le dernier maillon de la chaîne de production. Enfin, on est au service de ce merveilleux produit qu'est le jambon ibérique, l'ibérico, comme je préfère l'appeler. Et on est juste avant la dégustation du consommateur final. Hein, donc, c'est vraiment ça en résumé. Après, il s'agit quand même d'un métier qui est très, très apprécié en Espagne, un petit peu comme peut l'être sommelier dans d'autres pays du reste du monde, bien sûr. Donc, je pense qu'à l'avenir, ce métier sera de plus en plus recherché du fait de la présence de plus en plus importante du jambon ibérique dans le monde entier. Alors, on va passer maintenant à la partie plus technique. On a d'abord un merveilleux produit. Hein, on le reconnaît ici, c'est très facile avec l'étiquette blanche, on sait de quoi il s'agit. Il s'agit d'un jambon ibérique de Cebo. Et donc on reconnaît aussi visuellement avec donc cette couleur foncée hein, de la peau, hein, de la couenne, le sabot noir bien sûr. Et ensuite, on va avoir un petit peu cette coupe en V, hein, cette forme un peu oblongue, ce côté un petit peu aérodynamique hein, du jambon. On décompose le jambon dans différentes parties. Alors, on dit en français la canne. Moi, je préfère utiliser souvent les mots en espagnol. Hein, je trouve ça plus authentique. La caña, mais c'est la même chose en français, bien sûr. On a ensuite le jarret. Hein, on dit jarrete en espagnol, c'est pas très différent. On parle ensuite de la masse, la mafa. On a ensuite le grassé, que je préfère appeler babilla. On l'utilise beaucoup plus babilla dans le terme entre nous, entre les trancheurs. Et ensuite, voilà, on a le bas du jambon qu'on appelle la pointe ou la punta en espagnol. Donc voilà, on va travailler, on va essayer de respecter le produit, on va un petit peu sculpter le produit. Et de quoi avons-nous besoin? On a besoin de toute une série d'ustensiles spécifiques, une série de couteaux. Donc je vous les montre. Un par un, vous avez d'abord le couteau large à décoiner, et voilà, qui va être avec une lame forte, large, bien sûr toujours très, très bien affilée. On passerait ensuite sur le couteau bien sûr de puntilla, comme ça, un peu plus petit, qu'on dit désosseur en français, qu'on va utiliser surtout pour délimiter les os. On a ensuite, bien sûr, peut-être le plus important, le couteau Jamonero, hein, le couteau à jambon, vous voyez, très flexible, long comme ça. Hein, c'est un couteau, bien sûr, à manier avec toujours autant de précautions que les autres. On va avoir ensuite l'affileur. On va l'utiliser, bien sûr, pour remettre un petit peu en état les produits au fur et à mesure de la découpe. Et puis, bien sûr, pour toucher le produit, on peut utiliser soit des pinces, soit, bien sûr, le gant. Hein. Donc voilà ce qu'on a comme matériel. Bien sûr, on a aussi, ensuite le support à jambon. Hein, dont, en l'occurrence, ici, c'est un support qui est réglable en hauteur, qui va avoir un système rotatif de 360 degrés, donc qui va me permettre de tourner le jambon dans toute sérénité, dans toute sécurité aussi. Donc voilà un petit peu le matériel indispensable. Alors, pour le démarrage du jambon, on va dire comment couper un jambon, comment le commencer? Il n'y a pas vraiment on va dire de règle absolue. Ça dépend aussi un petit peu déjà de l'aspect de votre jambon, de l'affinage qu'il a. S'il est un petit peu plus affiné qu'un autre, dans ce cas-là, on peut très bien commencer par la partie du grassé, qui serait dans ce cas-là plus affinée plus rapidement parce qu'elle est plus étroite. Et nous, en général, on préfère partir sur la partie principale qu'on appelle la mafa, hein, la masse, tout simplement parce qu'elle est plus esthétique, elle est plus commerciale, elle est plus jolie, tout simplement. Hein, donc, on va dire, dans les trois quarts du temps, on commencera quand même par la mafa. Alors, comment faire pour trancher le jambon? Alors, on a sur cette zone-là, on a un petit monticule qu'on appelle hueso del corvejón en espagnol. C'est une partie très très dure. En fait, si je prends mon couteau, je ne peux absolument pas pénétrer. Hein, c'est impossible. Cette zone-là, personne n'y arrive. Donc, finalement, on prend une mesure de deux doigts. On va faire une mesure comme ça. Et à partir de ce point de mire, on va dire, et on peut très bien démarrer le jambon si vous voulez, enfin faire une entaille verticale, comme ça, à 90 degrés par rapport à l'os principal. C'est possible, beaucoup de personnes le font. En général, on ne préfère pas le faire, nous, en événement extérieur, tout simplement parce qu'on trouve beaucoup plus esthétique de faire un angle de 45 degrés, et en plus, on va avoir un rendement meilleur puisqu'on va encore récupérer 2-3 cm de chair par-dessous. Hein, donc, moi, je vais vous montrer l'entaille, on va dire, à 45 degrés, qu'on préfère faire la plupart du temps. Donc, je reprends ma mesure, deux doigts, je prends le couteau à décoiner,
Par sécurité, bien sûr, hein. On va toujours protéger nos mains. On va avoir les mains en arrière si on fait ce mouvement-là. Si on vient vers nous, on reprendra la main par-dessus. Jamais les doigts devant. Hein, bon, ça, c'est une base, bien sûr, en cuisine. Donc, on y va. On va pouvoir le faire qu'une fois. On prend cette mesure et on fait cette incision comme ça jusqu'à l'os. Ensuite, on va délimiter un petit peu notre zone de découpe, c'est-à-dire en fonction de l'événement, en fonction de ce qui va se passer, si vous voulez, avec le jambon. Soit on va couper, par exemple, si c'est à la maison, bah, 25%. On va dégager 25% de couenne, de peau. On pourrait dégager 50%, on pourrait dégager 60%. On pourrait aussi très bien tout nettoyer d'un seul coup. En fait, si c'est pour un mariage où on sait que dans l'heure et demie qui va venir, il va y avoir 100, 200 personnes peut-être qui vont consommer le jambon très rapidement, c'est évidemment nécessaire de nettoyer le jambon d'un seul coup. Là, je préfère vous faire voir étape par étape. Donc, j'utilise mon présentoir à jambon, je débloque ici, je tourne un peu, et là, je vais faire un démarrage à 50% du jambon. Donc, je reprends là où j'avais laissé l'incision, au même niveau. Là, bien sûr, on fait très attention parce que la partie haute est très dure. Donc, on met la main en arrière, par sécurité, et on va tracer une ligne, comme ça, à droite, le plus droit possible en tout cas. Donc, vous voyez, on pénètre pas trop, hein, pas très profond. On ne veut pas attaquer le jambon, bien sûr, on ne veut pas atteindre la chair. On reste en surface et on continue comme ça, tout en bas, jusqu'en bas. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on refait exactement la même chose de l'autre côté. Alors là, c'est la partie qui correspond à la coupe intérieure, en fait. Donc là, il y a beaucoup moins d'espace entre la peau, si vous voulez, extérieure, et la chair. Donc là, il faut encore faire un petit peu moins d'efforts, si vous voulez, pour pénétrer le jambon, faire plus attention. Donc on refait la même ligne jusqu'à l'os, comme ça. L'os de jonction ici, de la hanche. Alors bien sûr, on en profite ici pour tracer, pour dessiner notre os. On tourne autour, on délimite la zone qu'on va travailler. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est parti, on va commencer ce qu'on appelle le nettoyage, ou le bardage plutôt, du jambon. Donc voilà, on va enlever des parties de jambon qui ne nous intéressent pas. Voyez, on fait comme ça, toujours en sécurité, jusqu'au bout. Hop, et une fois qu'on atteint la zone d'incision, on s'arrête. Ça, je ne vais pas le garder. Donc, on laisse notre jambon pour l'instant dans cette zone, enfin dans cette position classique de découpe. Je fais un peu à gauche, un peu à droite. Vous voyez, jamais très profond. Il vaut mieux repasser plusieurs fois que d'emporter tout de suite la chair du jambon. C'est pas non plus l'intérêt. Il vaut mieux se reprendre à deux fois que de faire une bêtise. Voilà, vous voyez, alors ce qu'on va chercher à faire, en fait, l'idée, c'est d'enlever tout ce qui est jaune, hein, sur les parties rances qui donnent vraiment pas bon goût à la tranche de jambon. On va chercher à les séparer. Alors vous voyez là, ici, on peut reprendre, on joue un petit peu avec les deux couteaux, avec le désosseur et avec le couteau à décoiner. Là, vraiment, on cherche au plus près à sortir la couenne, hein, qui est très rigide, très dure, qui a été laissée volontairement, hein, pour avoir cette coupe en V. Voilà, on le retire, ça sert à rien, absolument à rien. Ensuite, on descend, voilà, jusqu'à la ligne. Et vous voyez, on s'amuse à faire cette délimitation, hein, qui va donner un aspect très, très visuel, si vous voulez, très, très contrasté entre d'un côté la partie naturelle du jambon et celle qu'on va travailler. Donc, on reprend un peu, hein, c'est bien de faire comme un petit escalier, mais jamais très profond, parce qu'on ne sait jamais réellement où est la chair, hein, c'est toujours la surprise. Elle peut être plus ou moins profonde. C'est un produit totalement naturel, donc on ne peut pas exactement savoir où est la chair dans un premier temps. Alors, voilà, je vais garder déjà cette première zone de gras. En fait, ça, c'est important pour la conservation après. Donc, les parties qui vont m'intéresser comme ça, qui vont être assez molles, assez longues, je vais les mettre de côté et je vais les garder pour la conservation du produit. Vous voyez, je fais ça. Bon, si j'en ai pas assez, de toute façon, j'en reprendrai après, hein, c'est pas un problème.
Ce n'est pas le gras qui manque sur le jambon ibérique, puisque c'est la caractéristique du produit. Un jambon ibérique sans gras, ça n'existe pas. Alors voilà. Là, cette partie, on peut s'arrêter. Sur la partie, vous voyez, la plus grasse du jambon, je m'arrête pour l'instant. Et j'attaque la partie un petit peu plus délicate, puisque la chair est beaucoup plus proche. Donc là, il faut faire un petit peu plus attention. Vous voyez, je ne pénètre pas trop profond pour l'instant. Je fais attention. On retire les zones qui ne nous intéressent pas. Alors, si je fais un mouvement comme ça, enfin, on va dire plus près de moi jusqu'à l'extrémité du jambon, vous voyez, je fais ce mouvement-là, hein, avec la main en protection en arrière. Voilà, par contre, là, pour délimiter le trait que j'ai fait, c'est mieux de reprendre le désosseur. Et voilà, on va marquer la ligne. Hein. Donc là, par contre, je suis obligé de pénétrer un petit peu quand même, vous voyez, comme ça. Hop. Et hop. On continue. On va jusqu'à l'os. L'os est ici, en fait. Là, vous voyez, je ne peux rien planter. Je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Alors, il y a des zones qui sont un peu concaves, internes, comme ça. Elles sont assez difficiles d'accès. Alors, on peut d'abord essayer de les travailler, bien sûr, avec le couteau à déconner. Alors, vous voyez, je viens vers moi, donc je mets la main derrière. Toujours sécurité, hein, absolument important. On n'est pas là pour se faire mal. On n'est pas là pour aller à l'infirmerie. Vous voyez là, hop, je retravaille comme ça. Je cherche d'abord à éliminer toutes ces zones, hein, toutes ces parties grasses, jaunes, qui ne vont pas avoir d'intérêt dans la dégustation du jambon ibérico. Alors là, le petit... Vous voyez, j'ai une zone un peu difficile ici. Alors, le secret, c'est de faire une rotation avec le désosseur. C'est-à-dire, je démarre comme ça. Vous voyez, je fais une rotation comme ça. J'essaye de ne pas trop emmener de chair, mais je suis obligé de faire une rotation. Vous voyez, on dégage comme ça. Et là, on arrive jusqu'à l'os. Alors là, ce qui est bien, c'est de reprendre un peu l'os. On le marque encore un peu, vous voyez, comme ça. Pas trop profond. 1,5 cm, c'est bien, ça suffit. Et là, vous voyez, on y va. On reprend. Et on va aller jusqu'à l'os. Bon, alors cette partie, je dirais, ça peut prendre 5-10 minutes hein, de nettoyer, enfin de démarrer. Il faut vraiment la faire avec une grande concentration, parce que c'est souvent le moment où on peut se faire, bien sûr, mal. Hein, je veux dire, on peut se blesser. Donc, cherchez pas à parler avec vos collègues à ce moment-là. Concentrez-vous. Et si c'est possible à la maison, dédiez un seul trancheur aussi, parce que dans les fêtes, dans les anniversaires, souvent il peut y avoir des accidents, ce serait dommage. Hein, il vaut mieux avoir une seule personne qui se concentre sur un jambon. Voilà. Donc là, on a décoigné, on va dire. Alors, on a travaillé cette partie-là. Vous voyez, il y a encore des zones ici. Donc, je reprends encore. Je suis obligé de pénétrer dedans cette fois. On n'a pas le choix. Et voilà. Alors là, en fait, si j'étais dans une boutique, je m'arrêterais là finalement. Je laisserais ça parce que là, j'aurais un rendement maximum. Mais on est un petit peu dans un événement aujourd'hui de démonstration, comme on ferait sur un mariage, comme sur. On veut faire de belles assiettes. Donc là, tout de suite, je vais séparer. Vous voyez, je vais faire une découpe un peu plus droite. Je mets de côté quelques tacos qu'on retravaillera après. Tout à l'heure, je vous ferai voir comment. Donc là, vous voyez, je rectifie un peu mon jambon. Mais avant, j'ai fait ce travail de nettoyage, si vous voulez. Donc là, mes tacos sont déjà prêts, on va dire, à être utilisés. Voilà, vous voyez, hop. Donc là, c'est bon. Sur cette zone-là, c'est bon. Je travaille un peu le bas maintenant, la pointe. Donc je reviens sur la pointe. Là, toujours, on fait attention aussi. On y va comme ça. Doucement. On reprend des fois l'autre couteau, hein, si ça force. On a toujours plus de puissance avec le couteau à décoigner qu'avec le désosseur, hein, du fait de la lame, de la lourdeur du couteau. Donc on le manie avec plus de respect aussi. Voilà, cette partie, bien sûr, peut être un peu plus dure en bas parce qu'elle a été beaucoup plus longtemps en contact en fait, avec l'oxygène.
Voilà. Donc là, bon, grosso modo, j'y suis. J'enlève encore un petit peu de gras qu'il y a à l'intérieur ici. Hop. Voilà. Donc cette partie est vraiment importante. Hein, je dirais que c'est le début du tranchage, hein, de l'opération de tranchage qu'on va effectuer après. Alors bien sûr, on peut faire aussi la même chose de l'autre côté. Hein. On peut tracer en démarrant de l'autre côté par le grasset. On peut faire 25, 30, voilà, 30% de nettoyage, il n'y a aucun problème. Alors, une dernière chose, ici, avant de commencer à trancher, on enlève encore ici, on fait une petite coupe, on enlève un petit triangle de gras qui ne sert à rien ici. Hein. Voilà. Donc ça, on peut repasser encore, parce que là, il y en a pas mal. Ibérico sans gras, il n'y en a pas. Hein, donc, vous inquiétez pas, on va enlever du gras au début. On va même en conserver. Voilà. Donc là, ensuite, on peut reprendre... Je m'arrête un peu d'utiliser le désosseur et le couteau à décoiner. Là, je vais un petit peu reprendre mon couteau à jambon et je vais un petit peu perfiler encore mon jambon. Je vais essayer de lui donner une forme un peu plus aérodynamique encore pour qu'il soit un peu plus joli. Voyez, on fait comme ça. Voilà. On lui donne un petit peu plus d'élégance encore. Voilà. Alors, là, on continue aussi notre nettoyage. On va commencer... Alors, là, on va même commencer, je dirais, à expliquer le mouvement de tranchage. Et je dirais qu'on va d'abord utiliser à peu près, à partir d'un centimètre du manche, notre couteau sur cette zone-là jusqu'à à peu près 60%. Vous voyez, toute cette zone intérieure, c'est ce qu'on va le plus utiliser pour la découpe. Hein, donc, on va vraiment... Vous voyez, je démarre à peu près comme ça, avec un petit angle de 30%. Et une fois que j'ai pénétré le jambon, j'abaisse mon couteau. Et là, j'initie un mouvement de zigzag, qu'on a tendance aussi à appeler le mouvement de violon, en fait, hein, de violoniste. Vous voyez ? C'est-à-dire, si je décompose, en fait, quand je viens sur ma droite en tranchant, et quand je repars de l'autre côté, je ne tranche pas, en fait. Mais vu la vitesse de tranchage qu'on a, on ne s'en rend pas compte. Hein, mais l'idée, c'est ça. Donc, c'est vraiment la base, ce mouvement de zigzag, pour éviter de faire des escaliers, en fait, hein, dans la découpe. On va chercher à faire un plan le plus droit possible, qu'on essayera aussi de contrôler ensuite avec le couteau, en reposant le couteau par-dessus, par exemple. Donc, c'est ça, l'idée. Alors là, je continue un petit peu, vous voyez, de perfiler, enfin, de donner de la forme à mon jambon. Voilà. Alors, là, je reprends un petit peu ici, parce que là, je sais que je vais en avoir... beaucoup là, vous voyez, je reprends encore beaucoup de gras, pardon. Voilà. Alors le gras, il a une caractéristique, hein, vous le voyez, il est vraiment brillant. Il est presque translucide par moment. Et bien sûr, c'est ça qui va apporter toute cette douceur et cette rondeur au jambon ibérico. Hein. Alors, voilà, là. Alors, ce qu'on va chercher à faire, par contre, on va peut-être commencer déjà à utiliser. Vous voyez, là, j'ai utilisé beaucoup le gant. Je me sèche un peu le gant. Et là, on va commencer un petit peu à vous montrer comment on utilise la pince. Donc, voilà, c'est plus élégant dans les événements, en restaurant, etc., hein, d'utiliser la pince. Ça s'apprend avec le temps. Un petit peu moins pratique que le gant, bien sûr, mais. Au démarrage, mais après on s'habitue vite. Donc l'idée, vous voyez, on va commencer à dégager quelques tranches. Alors les premières sont jamais très belles, surtout avec beaucoup de gras. Bon, pour l'instant, je la mets de côté. Donc vous voyez, on va d'abord essayer de faire notre plan. Donc toujours avec ce mouvement de zigzag. Hop. Et là, vont apparaître déjà les premiers. Alors on va chercher déjà à laisser à peu près un centimètre de gras, hein, sur le côté du jambon. Il y a des pays, bien sûr, où ils vont vouloir en laisser moins. Ici, en Espagne, 1 cm, 1,5 cm, c'est la norme. Et surtout, l'idée, c'est de faire une tranche à peu près d'une longueur de 3-4 cm de long pour pouvoir, on appelle ça el bocado en espagnol, c'est-à-dire c'est la bouchée, hein, du jambon. Il y a l'esprit de tapas qui règne ici, donc c'est-à-dire qu'on veut continuer à pouvoir parler tout en dégustant le jambon ibérique. Hein, vous voyez, c'est l'idée. Hein, donc...
Alors, hein, les premières sont pas. On va chercher à faire des tranches assez régulières, mais bon, les premières ne le sont pas, hein, forcément, parce que le produit naturel, il n'a pas été compacté ni quoi que ce soit. Hein, donc les premières tranches sont inégales en termes de longueur, en termes de forme, en termes de teneur de gras même, hein, je dirais. Il y en a qui sont au départ très très persillés. Je suis obligé de les mettre, là je les mets de côté au milieu. On les utilisera un petit peu de façon moins visible, si vous voulez, dans l'assiette. Alors je continue, vous voyez, cette partie bien sûr est un peu longue hein, au début, ça paraît toujours un peu long de démarrer le jambon, mais il n'y a pas d'autre solution, c'est un produit artisanal. Donc tant qu'on n'a pas atteint une certaine position dans le jambon, on ne va pas pouvoir aller très vite. Hop. Alors, voilà, ça commence à prendre forme hein, petit à petit. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Oui, ça y est, ça commence à apparaître. Vous voyez, alors c'est la magie hein, de ce produit. C'est cette couleur comme ça, rouge intense ou plus ou moins pourpre. Et avec ces veines de gras typiques, on voit même déjà apparaître ici même un petit point comme ça, blanc. Alors, ce n'est pas du tout une remontée de sel. On appelle ça la tyrosine. Vous pouvez voir. Enfin, vous savez certainement ce que c'est déjà, on le voit apparaître aussi sur certains fromages, mais c'est en fait le cristal du. Enfin, comment dire, l'acide aminé qui cristallise, hein, tout simplement. Donc ça croque, ça n'a pas de goût. On le retrouve sur d'autres fromages à maturation longue. Hein, donc, comme le jambon est un produit à maturation longue, voire très longue, automatiquement on en aura. Hein, donc, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas du sel, c'est pas un aspect négatif du produit, au contraire, c'est plutôt un aspect positif. Et il faut absolument, je dirais, si on n'en voit pas, c'est même presque inquiétant. Voilà, alors là, vous voyez, je reprends un petit peu, petit à petit, je dessine. Voilà, il y a toujours beaucoup de gras au début, hein, comme je vous disais. Donc petit à petit, ça apparaît, vous voyez, les tranches sont de plus en plus. Enfin, on voit que le pourcentage de chair est de plus en plus important. Parce qu'on pénètre petit à petit à l'intérieur du jambon. Bon, ça, on le met au milieu. Alors, cette première assiette, c'est pas celle de, on va dire, c'est pas vraiment celle de présentation. Alors, on va utiliser plutôt la grande assiette qui est juste après, celle-ci, pour faire une belle assiette de composition. Alors, comment on fait les assiettes de composition? Les assiettes de composition, qu'on appelle ici corporativa ou corporative aussi des fois, et ce sont des assiettes où on va d'abord utiliser souvent la symétrie des tranches. Mais on va aussi laisser un côté très créatif, si vous voulez. Hein. Il va y avoir le côté imagination qui va primer, hein, surtout. Hein. Donc, il n'y a pas de règle absolue. On va juste vous faire voir des exemples. Et là, la créativité, elle est infinie, hein, si vous voulez. Hein. Donc, il n'y a aucun problème pour imaginer d'autres présentations. On va simplement vous faire voir des présentations qu'on fait souvent. Voilà. Alors là, vous voyez déjà, ça commence. Je reprends hein, toujours à chaque fois le gras, mais voilà, ça c'est les tranches de départ. Et petit à petit, on va avoir un beau plan de découpe. Voilà, ça je laisse au milieu pour l'instant. Alors là, je suis obligé un petit peu de reprendre encore le gras avec le long couteau, c'est pas un problème. Hop. Voilà, alors vous voyez la longueur qu'on aime bien, hein, c'est celle-là en fait. En fait, voilà. Ce serait ce type de longueur-là. Et on a en fait 3-4 cm de long. Ça n'est peut-être pas encore assez large parce qu'on n'est pas encore bien positionné, mais voilà, hein, on va chercher ce type de tranche. Bien sûr, plus à cœur, on va être encore plus régulier et plus carré entre guillemets, hein. On utilise beaucoup ce terme en français, on aime bien être carré des fois. Alors là, vous voyez, c'est un jambon ibérique de Cebo, hein, avec 50% de race ibérique celui-là, mais il a un visuel déjà impressionnant hein, pour
un persillage, une... il y a vraiment toute une beauté dans, le... dans cet aspect-là hein, de... du persillage, vous voyez. C'est la grande caractéristique de ce produit. Hein. Alors, on va mettre ici. Alors, vous voyez, j'ai des tranches encore qui sont extrêmement grasses. Bon, celle-ci, je sais qu'en France, vous auriez du mal peut-être à les... à les faire consommer. Ici en Espagne, on se jetterait dessus. Hop. Voilà. Alors, on y va. On continue. De temps en temps, je continue à séparer encore un peu de gras. Hop. Je peux même refaire un petit peu encore comme ça. Voilà. Hop. Alors, il y a quelque chose. Là, on va y arriver. Il y a quelque chose aussi que je vais vous montrer parce qu'il y a un moment dans la découpe. Enfin, c'est souvent au démarrage, mais on va dire dans les 5-10 minutes de tranchage, hein, si vous voulez. On va avoir un petit peu l'os là, de la hanche qui va apparaître. Alors là, il y a beaucoup de trancheurs à ce moment-là qui paniquent, hein, surtout ceux qui ne sont pas habitués, et ils vont chercher à contourner cet os, mais sans savoir vraiment trop comment faire. Et la solution, en fait, elle est assez simple. Il faut prendre le couteau à désosser, et il faut tout simplement le délimiter. Donc je vais vous faire voir, là on y arrive, hein, j'y suis presque. Alors, bon là on va commencer à voir... ma première tranche, on va dire, que je vais utiliser pour la présentation de l'assiette. Une tranche assez régulière, carrée, rectangulaire ou carrée. Vous voyez, c'est les tranches qui sont plus situées dans le centre, là, pour l'instant. Donc ce qu'on va chercher, on va tourner l'assiette petit à petit. On va juste poser la tranche juste après, comme ça. Hein, on ne va pas trop cacher, on va laisser une petite zone comme ça qui va juste être déposée par-dessus. Et on va continuer, on va faire le tour. Là, de l'autre côté, vous voyez, je fais une autre assiette un petit peu moins jolie. Donc, il y a aussi un petit coup à prendre pour sortir correctement de la tranche. On donne un petit coup comme ça en fin de coupe. C'est-à-dire, je vais vous faire voir maintenant. On donne ce petit coup comme un petit coup de collier, hein, si vous voulez. Vous voyez, j'ai ma taille et là, hop, je donne un mouvement un peu plus rapide pour sortir. Alors là, vous voyez, hein, j'ai vraiment la tranche comme je voulais. Et là, je l'utilise et on va... on va chercher à faire le tour de l'assiette dans un premier temps. Un premier tour. Hein, sur la partie basse, là la tranche est moins carrée, donc on la met sur l'autre assiette pour l'instant. Vous voyez comme ça, hop, en sortant très vite. Hop. Alors là, je vais redonner un petit coup ici pour avoir encore un petit peu plus de droiteur. Pour être un petit peu plus droit. Je le garde de côté, on va l'utiliser après. Donc on continue. On reprend toujours là où on a laissé, hein, normalement. Hein, vous voyez. Donc je recommence l'explication. Je prends mon couteau comme ça, 1 cm, 1 cm du manche. Je fais mon petit angle de 30 degrés à peu près. Une fois qu'on a pénétré, hop, j'abaisse mon couteau et je fais mon mouvement de zigzag. Vous voyez, comme ça. Clac. Et enfin, pour sortir, hop, comme ça. Voilà, c'est la technique. Vous voyez, on tourne. Et là, voilà, d'autres tranches, comme ça. Voilà, alors il y a des tranches, vous voyez, sur la partie du jarret ici, où il y a encore un peu de gras, hein, toujours des deux côtés, donc on va en enlever un peu. Et on le mangera après. Voilà.
Voilà, là on commence à avoir, vous voyez, là la découpe s'accélère parce qu'on a des tranches plus régulières. On est mieux placé, si vous voulez, on pénètre déjà dans le cœur du produit. Voilà. Hop, vous voyez, on tourne progressivement, hein. On y va. Hop. Allez, je reprends. Je vais de la partie du jarret, je passe sur la massa, à la masse, et on finit finalement sur. On commence déjà. Bon, on n'est pas encore sur la pointe, mais presque. Hein, mais en tout cas, dans la zone qui est voilà où là on arrive avec l'os de la hanche là, si vous voulez, qui apparaît. Donc bon, là, on y est presque. Hein. Encore un coup ici, et je pense qu'on l'a. Voilà. Oui. Alors là, je vais lever peut-être le jambon un peu à la caméra. Et voilà. Je ne sais pas si on le voit bien comme ça. Voilà. Parfait. Alors, en fait, je parlais de ça. Hein, alors, ça reprend un petit peu la forme d'une demi-lune ou un petit peu comme un ballon de rugby, si vous voulez. En fait, là, on ne peut absolument rien planter. C'est pas possible de continuer. Donc, finalement, ce qu'on va utiliser, c'est le petit couteau à décoiner et on va délimiter en fait l'espace entre la chair et l'os. C'est-à-dire comme ça. Alors, on n'y va surtout pas très profondément au début. On fait à peu près un demi-centimètre, un centimètre, pas plus. Vous voyez, on dessine cette forme, on va dire, de ovale, un demi-ovale à peu près, et on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? Parce qu'en fait, l'os n'est pas droit. Hein, il va avoir tendance à reprendre un petit peu à l'intérieur. Et si vous donnez un coup de couteau trop profond, en fait, vous allez couper vos tranches en deux par la suite. Donc, ce n'est pas du tout intéressant de faire ça. Donc, on continue. Vous voyez, on a nos tranches à peu près calibrées. C'est le calibre qu'on recherchait. Hein. Hop. Alors là, je cherche un petit peu à faire mon centimètre de gras. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop jusqu'où le gras va être. Donc, voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai fait une petite escalier ici. Je pourrais m'en rendre compte en mettant mon couteau ici. Donc, tout de suite, on en profite. On reprend sans même faire l'angle de 30 degrés. On reprend et hop, tout de suite, on a rectifié. On va essayer de chercher à faire une jolie découpe, un beau plan de travail. Voilà, donc là, on continue. Hein, on va faire le tour. Alors, il y a une zone. Vous voyez, alors en l'occurrence, je suis droitier. Et là, j'ai l'os de la hanche qui est sur la droite. Alors, je suis un petit peu embêté finalement parce que si j'arrive ici, hop, je suis bloqué. Alors, que fait-on dans ce cas-là? Très simple. Enfin, plus ou moins simple, en tout cas, on peut s'entraîner. On retourne tout simplement le couteau. C'est-à-dire, je fais ce mouvement-là. On appelle ça le mouvement de revers, hein, le reverso en espagnol. Et hop, en fait, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on fait cet angle de 30 degrés. Et voilà, en fait, on coupe comme ça, mais en faisant une rotation. C'est le moment où on utilise plus la longueur du couteau, finalement. Jusqu'à maintenant, on utilisait plus cette zone centrale, ou en tout cas voilà, proche du manche. Là, finalement, on utilise vraiment la longueur totale de notre couteau pour faire ce type de tranche. C'est-à-dire, je démarre avec un angle de 90 degrés, par exemple, comme ça, mais je finis, finalement, comme ça. Donc c'est important hein, de s'entraîner à faire ça, sinon vous allez être très embêté à faire le tour comme ça, hein, c'est vraiment pas pratique. Donc il vaut mieux changer, avoir ce coup de main, changer comme ça, et on le fait. Hop. Vous voyez, je fais deux assiettes en même temps, hein, mais il y en a une qui sera plus jolie que l'autre, parce qu'on n'a pas mis les mêmes tranches dessus, tout simplement. Voilà. Donc, alors quand il y a des petites zones comme ça, pas très jolies, on reprend, hein, on peut, comme ça on peut continuer à barder, hein, c'est pas défendu. Hein. Hop. On essaye toujours aussi de garder un plan de travail assez propre. Hein, c'est plus joli hein, pour les clients, pour les consommateurs qui s'approchent de vous. Vous voyez, on refait un petit peu cette recherche de. Vous voyez, je fais. En fait, je délimite mon os toujours là, l'os de la hanche. Il faut toujours le faire pour pas ensuite avoir à rogner
avec votre couteau et surtout ne pas avoir à toucher l'os avec votre couteau à jambon, parce que sinon, au bout d'une demi-journée, déjà, vous pouvez changer de couteau. Hein, voilà, on cherche surtout à éviter le contact direct avec l'os. Vous voyez, donc là, là, je reprends ma... Hop. Hop, hop, hop. Ah, ça, c'est ma tranche calibrée. Bon, des fois, on n'arrive pas bien avec la pince. Là, je reprends un peu, désolé. Voilà. Voilà. Et là, on continue de l'autre côté. Donc là, on continue. Hein. Bon, là, on va accélérer hein, au niveau de la production de la première assiette, enfin de la deuxième assiette, pardon. Parce qu'on est bien placé maintenant. On fait les deux en même temps, hein, en fonction de la tranche, mais voilà. Donc on essaye toujours de maintenir hein, cet espace hein, d'un centimètre, un centimètre et demi, pour que ce soit joli. Hop. Voilà, vous voyez là le calibre qu'on cherche toujours. Hein. On l'utilise, on le place et on tourne. Voilà la couleur. On va dire cette couleur qu'on a, hein, bien sûr très persillée, vous voyez, ça donne un aspect un petit peu plus pâle peut-être que ce qu'on pourrait avoir de l'autre côté. Hein, c'est-à-dire de l'autre côté de la masse, on a le grassé ou la babilla. Là, on va avoir une couleur plus intense. Hein. De toute façon, on va attaquer la babilla tout à l'heure. On veut vous la faire voir aussi. Enfin, on veut vous montrer comment on découpe le jambon dans cette partie-là. Donc, vous verrez, il y aura certainement une différence de couleur. Tout simplement parce que ça, ici, la mafa, il y a plus de gras, hein, finalement. En tout cas, plus de gras persillé. Hein, parce que la babilla correspond plutôt à la partie avant, un peu plus musclée, en fait. Et ça, la mafa, ce serait plutôt la partie arrière. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, je fais mon test couteau. Hein, je suis dessus, je suis relativement droit. Hein, on continue. Hop. On reprend notre calibre. Vous voyez, petit à petit, on arrive à faire ce premier tour hein, d'assiette. Hop. Hein, toujours en sécurité, hein, comme je disais tout à l'heure. Hop. Donc là, sur le bas, il faut y aller aussi en faisant le revers, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Et là, bien sûr, là, on réutilise. Là, quand on a beaucoup de gras comme ça, ici, on va plutôt les placer sur la deuxième assiette. Enfin, sur la première, pardon. Hop. Voilà, hein, toujours, on peut nettoyer hein, cette zone-là. On peut enlever les excès de chair qui restent collés. Hop. Voilà, alors, c'est toujours un peu, comment dire, la découpe. Hein, on prend plaisir, hein, finalement, à découper comme ça. On y va, c'est presque relaxant, un petit peu. Il y a un côté, c'est rigolo, hein, mais... On s'applique, et puis on y prend goût. Hein, c'est une question d'entraînement. Il faut vraiment se dire que tout le monde peut y arriver. Hein, d'ailleurs, entre trancheurs... On aime bien comme ça, on se respecte, il n'y a pas de comment dire, d'animosité entre nous, quoi que ce soit, parce que souvent on est appelé à trancher sur des événements où il y a beaucoup, beaucoup de monde, et là, dans ce cas-là, il faut 3 ou 4 trancheurs. Donc vous appelez des collègues, des compagnons, vous les appelez, et vous leur demandez de l'aide, bien sûr. Alors, là, on arrive à un moment important, regardez, sur l'assiette, vous voyez, la dernière tranche, alors si je fais ma jonction ici comme ça, si je laisse comme ça, bon, c'est bien, mais c'est pas fantastique, donc on a un petit secret, on lève en fait la première tranche, on la lève et on va comme ça la placer par-dessus. Alors ça donne un aspect comme ça infini si vous voulez. Hein. Vous avez, quand vous regardez l'assiette, vous ne savez plus où elle a commencé.
On peut redresser un petit peu si on voit qu'on a trop baissé. Sur certaines zones, vous voyez, on peut retoucher. Mais vous voyez, c'est ça l'idée. Hein. C'est-à-dire, là, on a notre premier tour d'assiette et on essaye d'avoir les tranches à peu près homogènes. Et voilà, on ne sait plus où on a commencé. Alors, là, on va continuer, toujours sur le même modèle de tranche. Mais dans ce cas-là, je vais juste reprendre. Voilà. Dans ce cas-là, vous voyez la première tranche du deuxième tour. Je vais essayer de le faire coïncider avec le gras hein, du premier tour. Vous voyez, comme ça. Donc en fait, on met gras sur gras. Comme ça, on va donner une impression, bien sûr, beaucoup moins. Une impression beaucoup moins grasse, entre guillemets. Hein. Alors, allez, je continue. Alors, je suis toujours obligé de continuer sur le bas hein, pour rester droit. Alors, ces tranches, en fait, on va les utiliser après aussi. Hein. On peut les réutiliser sur la deuxième assiette. Vous allez voir de quelle manière ça fait un aspect très très joli, très floral. Alors, on y va. Alors, là, on va commencer à accélérer vraiment, hein, parce que là, on est vraiment bien placé. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Je me sèche un peu le gant, c'est pour ça que quand on touche, bien sûr, le jambon, après, ça glisse. Vous voyez, on continue, on prend notre même format et on repasse par-dessus. Voilà. On a toujours la même idée. Même format, on inverse le sens de tranche, on se remet comme ça et on tourne. On continue, on continue. Hein, c'est un peu de patience. Bon, en cuisine, on connaît, hein, la patience, c'est important. On dit toujours que pour que le jambon ibérique ait un résultat qui se mange si vite, et qui met si longtemps à se produire. Donc, il vaut mieux quand même s'appliquer pour les derniers instants. Ces tranches-là, on va les réutiliser après. Hop. Hop. Voilà, là, vous allez voir, ça va vite. On va vite finir le tour. Clac. Hein, toujours comme ça, on tourne autour. Hop, voilà, on tourne, on tourne. Clac, vous voyez, on essaye d'être par-dessus. Hop, on continue. Voilà. Voilà. Je vais retirer un petit peu plus de gras ici, mais on a la chair qui apparaît déjà aussi en même temps. Hein. Donc ici, je force pas trop sur la punta. Et là, je reprends quand même un petit peu. Quand on voit qu'il y en a un excès de gras aussi, vous voyez, je vous le montre à la caméra. Vous voyez, on a cette zone où là, on a vraiment encore du gras qui est réapparu. Là, on peut faire une incision. Vous voyez, on retire, on enlève, on renettoie un peu. Ça, on ne peut pas le voir au début parce que c'est à l'intérieur hein, du jambon. Donc voilà, on ne va pas non plus retirer des parties à l'aveugle. Voilà. Alors, c'est presque fini la première assiette. Vous voyez comme ça, on pose. Ça a tendance à monter au milieu. C'est logique. Hein. Hop, vous voyez, ça commence à faire un petit dôme. Voilà, là c'est bon. On est arrivé au bout.
Alors, la même chose, on peut laisser comme ça, mais ce n'est pas idéal. Donc, on reprend la même technique. La première tranche posée, on la lève, tout simplement, et on va passer la dernière par-dessous. Voyez, on lève comme ça, et on cache. Voilà, donc là, on pourrait laisser très bien l'assiette comme ça, c'est déjà très joli, mais on va encore lui donner un petit aspect encore un peu plus esthétique. Donc là, plutôt en utilisant justement la zone basse là, de la pointe, avec ces tranches un peu triangulaires, là, ce qui peut être intéressant de faire, en fait, enfin, je les pose là pour l'instant, mais là, je suis obligé de prendre avec le doigt, hein, parce qu'il faut les pincer. Voyez, on va les pincer, on va faire comme une espèce de vaguelette, et on va poser par exemple ici. Voilà, bon, alors je peux en utiliser, j'en avais beaucoup, hein, que j'avais mis de côté là, donc on peut en utiliser d'autres. Hein. Voyez, je les ai déjà tranchés avant, hein, donc maintenant ça va plus vite forcément. Donc on fait le tour pareil. On fait un petit peu cet aspect un peu ondulé, un peu plus volumineux, si vous voulez. Bon, c'est un exemple. Hein. Il n'y a pas de limite après. Hein. Au centre, on peut placer d'autres choses. On pourrait placer aussi une rosace de gras, des choses comme ça. Alors, vous voyez, je fais le tour comme ça, tout en pinçant un petit peu, voilà. Hop, des tranches triangulaires comme ça, on aurait eu du mal à les placer ailleurs de toute façon. Donc c'est bienvenu de les mettre plutôt par là. Vous voyez, bon, s'il faut, on peut les rebarder un petit peu. Hein. Hop, celle-ci est plus petite, on peut la mettre en haut. Hein. Hop, vous voyez, on essaye de faire comme ça tout le tour. Avec un petit peu comme ça, cet aspect, pas forcément identique. Hein. Donc là, on continue. Il nous en manque un tout petit peu. On va en chercher d'autres. Voilà. Vous voyez, on la pince un peu comme ça. Hop, on la pince par derrière. Hop, vous voyez, je continue à trancher cette zone volontairement hein, pour finir la présentation. Hop, voilà. Bon, là, on a fait un premier tour. Ça a déjà donné un certain volume. On va chercher à donner un deuxième étage encore. Donc, on va utiliser deux tranches qu'on avait déjà de côté. Vous voyez, comme ça. On essaye de donner un peu plus de volume encore. Voilà, j'en ai une autre ici. Ça, c'était carrément une des premières, hein, celle-ci très, très, très persillée. Donc, voilà, on va la mettre plutôt par là. Bon, là, on fait appel à votre côté créatif. Hein. Là, il n'y a plus du tout. Là, c'est plus du tout la même chose qu'au début. Là, c'est à vous de jouer un petit peu. Hein, donc, à l'attaque, hein. L'imagination, je sais que vous en avez. Hop, voilà, il manque une ou deux tranches là, je pense, et on y est. Hop. Voilà, comme ça. Pas forcément donner un aspect uniforme. Bon, ça fait un petit peu comme des pétales hein, de jambon finalement, hein, ça, cette zone-là du haut de la punta, de la pointe. Voilà. Hop. Encore un, je pense, et c'est bon. Voilà. Donc là. On a vraiment quelque chose, vous voyez, qui monte un petit peu en hauteur. Voilà, comme ça. Donc on peut faire le tour hein, pour vérifier comment c'est, parce qu'il y en a peut-être qui se sont aplatis entre-temps. On revérifie un peu, on fait le tour. On met bien sûr le doigt, on l'a ganté, hein, donc il n'y a pas de problème. Comme ça, vous voyez, hop. On relève un peu, on fait le tour. Bon, voilà, grosso modo, ici on aurait... un petit peu notre première présentation. Bon, j'en mets une dernière pour le fun. Ici. Voilà.
Hein, voilà, vous voyez, donc ça c'est un premier exemple hein, qu'on va vraiment avoir travaillé surtout avec cette zone-là en fait, hein, de la MAFA. Hein. Donc, vous voyez, ça donne ça. Donc je présente là à la caméra. Voilà, je laisse. Vous voyez. Bon, on a essayé de chercher bien sûr à bien faire la séparation ici tout autour. Et puis bon, on a cet aspect infini. C'est en général assez facile à faire. Vous voyez. Hop, comme ça. Voilà, on pourrait très bien porter cette assiette directement sur table. Alors, on va changer de côté. Alors, on va attaquer ce qu'on appelle le grasset en français, mais c'est la babilla en espagnol. Alors, toujours la même histoire. On continue. Attendez, je vais repasser un petit peu ma zone de travail. Je vous conseille de le faire. Hein, vous voyez, il y a toujours des zones des petits morceaux de coin qui peuvent tomber à droite à gauche. Vous les retirez, éventuellement vous passez aussi, vous séchez un petit peu votre zone. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est de sécher les manches de couteau. Hein, si jamais on a touché un petit peu. Voilà, hop. C'est toujours intéressant d'avoir un plan de travail propre. Hop, on repart sur de bonnes bases. Et voilà. Hop, on a séché. Et voilà, c'est plus joli et on attaque. Alors, là, vous voyez, j'ai fait le tour très facilement avec mon système rotatif, hein, de 360 degrés. Alors, toujours la même chose. On pourrait, bien sûr, barder ou enlever le gras à la couane. Hein. Donc, toujours la même chose. On peut descendre de 20, 25%, 50%. Enfin, on fait ce qu'on veut, en fait, en fonction de l'événement. Alors là, toujours pour avoir un point de mire, là où je m'étais arrêté tout à l'heure, je vais reprendre. Hein. Je vais faire le tour, en fait. Donc, je reprends toujours à peu près au même niveau. Et je reprends où je m'étais arrêté tout à l'heure. Voilà, ici. Donc ça, c'est un petit peu l'espace que je ne vais pas dépasser. Alors bon, je peux régler. Vous voyez, l'avantage aussi avec ce système-là, c'est qu'on peut baisser, on peut monter. Voilà, c'est vraiment un présentoir à jambon professionnel. Donc là, ce qu'on va faire aussi, alors on va d'abord délimiter notre zone. On ne va pas descendre trop bas. On va, par exemple, faire les 30% grosso modo ou 25%. Donc là, la même chose, je fais ma ligne et je m'arrête forcément à l'os. Là, je ne peux pas y aller. Hein. Donc là, je continue, je descends, je dessine surtout la zone de travail. Vous voyez, je fais mon trait, donc un premier trait ici, je fais le tour et voilà. J'en profite ici pour délimiter déjà mon os. Alors là, vous voyez, on fait attention, on cherche l'os. Et on descend un peu, allez, on va dire 2-3 cm de profondeur, pas plus. Ça ne sert à rien d'aller plus loin pour l'instant. On continue de l'autre côté, même zone. On y va, on fait le même dessin. Toujours attention parce que là, cette zone est très très rigide, très dure. Donc là, on s'éloigne, hein, bien sûr, toujours la main en sécurité. On fait notre ligne droite. Hop, là vous voyez, ça force un peu là sur la jonction, faire très attention. Voilà. Hop, et là, surtout, il ne faut pas aller trop profond ici. Clac, voilà. Là, j'ai fait ma ligne. Donc là, c'est bon. On a notre dessin de travail. Et là, on va faire la même chose. Toujours en sécurité, main derrière. Et on remonte. On commence à barder. Bon, là, le gras, celui-ci, on ne le garde pas. On en a déjà suffisamment. Alors, là, c'est là vraiment ce qui nous intéresse comme zone de travail, c'est surtout ici, hein, jusqu'à l'os qui correspond un petit peu au genou ici. Donc là, bien sûr, par esthétique, on va aussi nettoyer, hein, parce que ce n'est pas très joli de la laisser. Mais ici, on ne va pas pouvoir trancher grand-chose, en fait. Hein. Donc là, vous voyez, je m'arrête, je change de couteau, et là, je finis, hein, je finiole, entre guillemets, comme on dit en français. On s'applique pour aller jusqu'à la séparation. Vous voyez, comme ça, hein, pour que ce soit bien marqué. Vous voyez, c'est plus joli hein, c'est de faire comme ça plutôt que de le faire un petit peu n'importe comment. Vous voyez, là, je cherche ma zone, hop. Et là, ça vient, hein, parce que j'ai déjà marqué, en fait. Hein, donc, vous voyez, ça vient tout seul, hein, je n'ai pas besoin de forcer. Là, pareil, on y va. Alors, vous voyez, là, comme tout à l'heure, une zone concave hein, qui pénètre vers l'intérieur. Donc là,
Il faut l'attaquer un petit peu toujours avec ce... Comme ça, on va faire des rotations, ou alors on va marquer d'un côté, de l'autre. Vous voyez, on fait d'abord comme ça, ensuite comme ça. On tourne un petit peu autour de ces zones. Voilà. On va d'abord chercher à enlever les parties rances, hein, les parties jaunes. Vous voyez, je marque d'un côté comme de l'autre, comme ceci. Et on enlève, hein. On prend son temps, parce que là, c'est important toujours de bien le faire. Hop. Alors, c'est pas très grave pour l'instant si on voit des zones un peu plus profondes que d'autres. Après, on va rectifier, hein, ne vous inquiétez pas. Là, vous voyez, on suit la forme de l'os ici. On la suit, on fait cette rotation. Et voilà. Et là, on retire. Tout ça, il faut l'enlever. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, il y a encore des restes de jaune. On les attaque un par un. La partie jaune, qui ne donne pas vraiment un bon goût au jambon. Donc, vraiment, on les élimine tout de suite. Hein. Ça, on évite d'éventuels problèmes de goût. Ou d'altération de goût plutôt, hein, parce que c'est pas ce qu'on cherche à faire déguster. Vous faites la même chose hein, à la maison avec d'autres produits hein, de toute façon. Hein. Mais là, on a un produit magique, l'Ibérico, hein, donc on s'applique encore plus. C'est un produit vraiment qui est de plus en plus demandé hein, sur les marchés extérieurs aussi, mais en Espagne bien sûr. C'est la tradition absolue, hein, mais sur les marchés extérieurs, de toute façon, ça ne prend que de l'ampleur. Donc j'espère que vous serez amené un jour à répéter les mêmes opérations que je suis en train de vous faire voir. Hein. C'est plus facile quand on a déjà eu les explications, ce qui n'était pas mon cas au début. Moi, je me souviens que j'ai tranché trois jambons sans savoir et ce n'était pas un très très beau résultat au début. Donc je vous invite vraiment à suivre ces conseils ou au moins vous en rapprocher le plus possible. Alors là, vous voyez, je suis en train de rectifier un petit peu les parties qui étaient concaves. J'essaye d'avoir quand même un plan de travail un peu plus droit, parce que sinon mes tranches après vont être beaucoup plus irrégulières. Donc bien sûr, il y a des zones, vous voyez ça, on pourrait le garder, hein, bien sûr, pour la consommation. Même si ça paraît un peu épais pour l'instant, mais on va le garder. On peut jouer après avec pour la présentation hein, des assiettes. Donc on va les mettre de côté quand même. Bon là, c'est à peu près correct. Bon, un dernier passage ici, vous voyez, comme ça. Et là, bon, on va s'arrêter pour l'instant et on passe de l'autre côté. Vous voyez, donc on a bien marqué ce côté. Je pense qu'on le voit bien là à la caméra maintenant si je remets le jambon en place. Hein, vous voyez, on a bien cette délimitation ici hein, que je vous montre. Comme ça, clac, toute cette ligne hein, qui fait un aspect quand même très, très joli, hein, très professionnel. C'est linéaire. Donc voilà. Alors, on attaque l'autre côté. Hop, la même chose. On marque bien. Là, ça vient beaucoup plus vite, hein, vous voyez, parce que là, c'est la partie la plus grasse, finalement. Hein, donc, ça, le travail que j'ai fait de l'autre côté, j'ai dû passer trois fois plus de temps, au moins. Mais c'est normal. C'est la morphologie du jambon qui est comme ça, hein, donc on la respecte. Voilà. Voilà, donc de l'autre côté, je sais, voilà, on le voit bien aussi sur l'autre. Vous voyez, on a fait notre ligne qu'on peut être amené à refaire éventuellement ou à enlever carrément directement. Donc voilà, là on est, entre guillemets, on est bien là pour démarrer l'autre côté. Donc ce qu'il faut surtout comprendre ici, c'est que bon, là, à ce niveau-là, il y a l'os du genou, donc on ne va pas chercher à trancher beaucoup ici. Hein. On va vraiment se concentrer sur la partie la plus basse hein, du grasset, hein, de la babilla. Hein. Enfin, la partie la plus basse, pardon. Donc, vous voyez, comme ça, toute cette zone-là, c'est vraiment ici qu'on va vraiment développer notre travail à partir de maintenant. Vous voyez, je reprends mon couteau à jambon pour donner encore un petit peu plus d'élégance, un peu plus de forme. Vous voyez, je donne une forme un petit peu plus aérodynamique encore. On appelle ça la finition. Comme ça. Comme ça. Alors, c'est important, hein, tout est important, finalement. Alors, on y va.
Je me ressèche encore le gant, hein, forcément, parce qu'à chaque fois que je touche le jambon, je vais glisser avec ma pince après. Je recherche aussi à bien sécher la pince. Et là, on va attaquer à la pince. Donc on y va. Alors, toujours pareil, même système. Donc là, on va commencer à chercher peut-être à trancher sur la partie la plus haute, hein, qui apparaît ici. Mais en fait, on ne sait jamais où ça commence. Ça dépend de la forme du jambon. Mais là, c'est plutôt par là. Donc on va y aller. Donc je fais toujours la même chose. 1 cm, 1 cm et demi du manche. Petit angle de 30 degrés. Même mouvement de zigzag ou de violoniste. Et on y va. On continue. Vous voyez, la première tranche, hein, pas vraiment jolie, en tout cas mais consommable, hein, mais pas facile à mettre en assiette, si vous voulez. Hein. Donc là, dans ce cas-là, souvent, ce qu'on fait, c'est que on les place au centre. Hein, ces petites tranches, elles seront cachées, elles seront consommées à la fin, mais bon, elles seront pas visuellement, elles seront pas au départ, hein, si vous voulez. Elles seront pas visibles au départ. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hop, on peut quand même les disposer avec une certaine forme aussi, hein, c'est pas un problème. Celle-ci, on la retire, on peut les croiser un peu. Voilà. Bon, là, toujours, hein, j'en fais appel à votre côté imaginatif pour les différentes zones. Alors là, en fait, on va changer un petit peu de méthode. On va faire. Alors, toujours. On va carrément y aller maintenant. Et on va chercher plutôt à faire avec un angle. Donc là, je démarre toujours dans le haut de l'assiette comme ça. Mais vous voyez, je n'ai pas mis ma tranche droite. Je l'ai mis à peu près avec un angle de 45 degrés. Et puis on va continuer. C'est-à-dire, on va chercher à avoir cette partie droite comme ça. Et puis, ben, on va faire le tour. Alors vous voyez, toujours, on va essayer de maintenir cet espace, hein, pour le bord, aussi pour que le serveur éventuellement ne touche pas le jambon, hein, tout simplement, quand on l'amène sur assiette. Vous voyez, hop, on y va. Alors au départ, forcément les tranches sont petites, donc ça va prendre du temps au début. Hein, mais après, vous voyez, ça va être exactement pareil que l'autre côté, petit à petit, avec d'autres tranches. Avec d'autres tranches, pardon. Celle-ci, elle est un peu rebelle, celle-ci. Hop. Allez, hop. Voilà, bon, j'espère que tout se passe bien pour l'instant. L'aspect visuel est engagé, on va dire. Et on continue. Alors, il n'y a vraiment aucune limite, en fait, hein, à ces présentations d'assiettes. Vous en verrez beaucoup, des très différentes ou des fois... Même sur le site du Ram Passion Tour, il y en a beaucoup qui sont présentés. Toujours très jolis à chaque fois. Hop. Voilà, ce qu'on cherche quand même à faire, c'est quand même ce petit côté anguleux. Hein. On veut faire ressortir l'angle, toujours en cherchant à éliminer visuellement le gras, en tout cas le maximum pour l'instant. Mais je vous répète, hein, le gras dans le jambon ibérique, c'est une caractéristique principale. Donc si un client vous demande un jambon sans gras, ça sera difficile de lui servir de l'ibérique, ou alors à moins de lui expliquer, mais ça, il faut vraiment lui expliquer. Et une fois qu'il aura goûté, il aura changé d'avis. Vous voyez, là, je les reprends un peu, parce que j'ai un petit peu de gras au milieu qui me gêne, voilà. Donc là, je tourne, hein, j'y vais progressivement. Vous voyez, je peux avoir plus de gras que de chair à certains moments, mais c'est pas grave, de toute façon, on va le cacher. L'important, c'est d'avoir cet angle que des fois, je peux reprendre comme ça. Vous voyez, je mets ici, hop, et j'ai mon angle qui sort. Hein. On va tourner, tourner, tourner. Hop, et à chaque fois ce petit mouvement qui permet d'avoir cette sortie rapide de la tranche avec le couteau, hop, comme ça. Hop, on y va. Bon, celle-ci, vous voyez, elle ressort un peu, donc là, je suis obligé encore de la retravailler. Et je pense même que
Je vous conseille de faire, voilà, celle-ci, elle est plus rectifiée. Là, dans ce cas-là, il faut que je reprenne ici un peu, donner un petit peu de droiteur encore ici. Vous voyez, comme ça. Donc, cette partie-là, cette zone, je la sors en tacos et je vais les réutiliser après. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, pareil, je retire toujours un petit peu d'excès de gras qui apparaît au fur et à mesure de la découpe. C'est normal. La forme à l'intérieur est toujours inconnue au début. Hop. Voilà, j'ai toujours une tranche qui peut me servir ici comme ça. Et là, on continue. Alors, vous voyez, au début, elles sont très étroites. Donc, ça forme beaucoup. Et il y a beaucoup de tranches au début. Sur cette première assiette, en tout cas, après, ce serait une assiette qu'on aurait positionnée plus au centre de cette partie-là, du grasset ou de la babilla. Ce serait différent, forcément. De toute façon, le jambon, bon, il faut imaginer que, comme ça, sur un événement, s'il y a beaucoup de monde, bien sûr, et si on s'est mis avant pour le préparer, pour le barder, etc., on peut le trancher quand même assez vite. Hein. Le jambon, en l'espace d'une heure et demie, s'il n'est pas trop gros, jusqu'à 2h, 2h30 pour un gros jambon, on va avoir besoin de ce temps. Hein. Surtout si on veut faire de belles assiettes, forcément. Voilà, celle-ci un peu trop grasse, on la sort au milieu. Voilà, là, vous voyez, là, sur cette zone-là, je m'arrête un peu, on a un petit peu la zone, la tranche caractéristique de cette de la babilla. Hein, vous voyez, quand même avec moins de persillage, mais une tranche un peu plus foncée, bon, avec la même couleur de gras, hein, finalement, mais voilà, hein, c'est le type de tranche qu'on a ici. Et sur le bas, bien sûr, un petit peu plus triangulaire. On peut mettre de côté aussi pour l'instant. Voilà. Alors là, j'arrive à une zone. Je vous fais voir tout de suite. On arrive à un petit peu la jonction. Vous voyez là, je replante mon couteau. Et là, on ne peut pas. Hein, c'est impossible. Donc là, on a un petit peu ce qu'on appelle la rodilla ou le genou. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, voilà, on fait une incision, 1-2 cm et on s'arrête. Hein, tout simplement pour ne pas avoir à toucher encore l'os avec votre couteau, hein, pour ne pas détériorer votre couteau surtout. Et là, dans ce cas-là, on peut même... Enfin, je vous ferai voir après parce que là, je suis un petit peu trop bas. On peut aussi trancher sens inverse, hein, sur cette zone-là. Alors là, voilà. Une tranche caractéristique, on continue. Hop. On descend un peu, voilà, comme ça. Hein, vous voyez, on tourne. Hop. Bien sûr, on descend. Alors là aussi, pour pas avoir à rogner, hein, toujours là. Là, ce qu'on avait fait au début, on le refait, hein, sur l'os de la hanche. Vous voyez, on reprend notre couteau à décoigner. Et là, on recherche encore à délimiter. Hein, parce que là, sinon, à chaque fois, vous allez devoir toucher l'os avec votre couteau à jambon flexible. Hein, donc, c'est pas intéressant. Là, vous voyez, il faut bien marquer pour que la tranche, en fait, vous voyez, quand je suis ici, je tranche, mais finalement, je n'ai même pas besoin d'aller jusqu'au bout, finalement, parce que voilà, elle est déjà séparée. Voilà, donc là, je continue. Voilà. Je mets de côté ici aussi un petit peu. Là, vous voyez, je tranche dans l'autre sens maintenant, hein, juste pour atteindre l'os du haut. Voilà. On finit. Donc la même chose. Bon, là, ça va plus vite maintenant. On est plus à cœur, vous voyez. Hop, on accélère. On continue à tourner. Hop. Voilà, ça tourne. Vous voyez, il y a toujours cette élégance, hein, avec la pince, bien sûr, hein, qu'on a pas, hein, quand on touche directement avec le gant. Hein, mais
Hop. Voilà. On va aller plus vite encore. Là, on est bien, hein, on tourne. Là, le rythme s'accroît. Tout simplement parce que nos tranches aussi sont plus larges maintenant. Là, on couvre plus de surface d'assiette aussi en même temps. Hop. Vous voyez, donc on joue toujours, hein, je vous répète, avec la symétrie d'un côté, puis après, votre côté créatif, hein, toujours. Voilà. Hop. Voilà, un côté. Alors on cherche notre angle, refaire notre angle s'il faut. Voilà. On continue à tourner. Hop. Alors bien sûr, hein, on va vous répondre à certaines questions que vous allez nous poser, hein, toujours dans le cadre de cette interactivité, hein, de ce streaming en direct. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions techniques ou d'autres questions, hein, sur le métier de trancheur de jambon ibérique, on va prendre le temps bien sûr de vous répondre. Préparez vos questions. Alors surtout, hein, je répète, tout le monde peut y arriver. Hein. Vraiment, c'est une question de pratique, un petit peu comme on pourrait faire pour le golf, le tennis. Au début, je pense qu'on n'est jamais très bon, mais avec la pratique, on y arrive. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Aussi bien les femmes que les hommes. Hein. C'est d'ailleurs un métier qui est sous-représenté en ce moment, hein, mais, du côté féminin, mais on attend la relève, hein, bien sûr. On a quand même de très très grandes trancheuses ici en Espagne. Voilà, on espère qu'il y aura des vocations de l'autre côté des Pyrénées. Voilà, vous voyez la tranche typique encore. Voilà, on la reprend, on la repose, voilà, on arrive. Donc toujours on va procéder au même système. Là je pense encore une ou deux tranches. Et on va toujours faire ce soulèvement, hein, de la première tranche par rapport à la dernière pour donner cet aspect un petit peu infini, en tout cas ne pas savoir où vraiment on a démarré quoi. Voilà, encore une, c'est bon. Ah, voilà, donc toujours pareil. Hop, je me rapproche un peu. Voilà, je pose à peu près, voilà, c'est ici qu'on veut arriver. Et là, forcément, voilà, on soulève et on repose. Voilà. Donc là, on va dire, on a un petit peu, on contrôle, hein, rapidement aussi, on a notre premier tour d'assiette. Hein. Vous voyez, comme ça. Donc ensuite, bien sûr, vous voyez, je peux très bien réutiliser les tranches que j'avais avant. Et là, je peux même les disposer. Alors, on peut changer, hein, tout simplement. On peut carrément... Vous voyez, faire le tour dans un autre sens. Pourquoi pas? Vous voyez, comme ça. Là, on fait le tour. Alors là, le gras d'un côté ou de l'autre, il n'y a aucune importance. Ça change simplement le visuel. Vous voyez, là, je retire le gras jaune qui restait. Vous voyez, là, je tourne. Là, on change de présentation. Comme ça. On y va. Hein. C'est des tranches que j'avais mis de côté tout à l'heure. Voilà, vous voyez, ça rompt un petit peu la monotonie initiale. Voilà, ici comme ça. Bon, j'en ai encore une autre ici. Vous voyez, comme ça, voilà. Et puis là, on va chercher à en récupérer d'autres, pourquoi pas. Vous voyez, on va insister plus maintenant sur le bas, hein, qu'on avait un petit peu, entre guillemets, laissé de côté, hein, pour l'instant. Hop, hop, voilà, je m'active un petit peu plus sur le bas maintenant pour finir mon tour. Vous voyez, on y va, comme ça, hop,
Hop. Alors on cherche en fait. Bon, s'il reste un petit peu de jaune, vous voyez, c'est le cas ici, il ne faut pas hésiter tout de suite à le retirer, sinon ça va faire un petit peu tache sur l'assiette. Bien sûr, on nettoie. Hein. Bah oui, voilà, c'est que il en restait certainement un petit peu à l'intérieur. Voilà, je retire. Voilà. Et là, vous voyez, on y va. Comme ça. Voilà, là j'ai fait le tour pareil. Un autre tour, pardon. Là, toujours la même histoire. Hop, pourquoi pas. Hop, voilà. On a un premier tour. Et là, on va continuer. Là, on peut mettre éventuellement des tranches plus larges. On reste sur la même partie. Hein. Ce serait dommage peut-être de mélanger avec d'autres. Alors, on peut refaire cette histoire de. Vous voyez, comme ça. On peut très bien remettre le gras à l'envers. Hop, vous voyez, comme ça. Là, je tranche en sens inverse maintenant. J'atteins l'os. Et comme ça, on y va. Vous voyez, là, petit à petit, hein, votre assiette se dessine. Hein, c'est... Hop. Voilà. Ah. Hop. On ne va pas le réutiliser, celui-ci. Voilà, comme ça. Voilà. Hop, on tourne, vous voyez, progressivement, on se dirige vers le centre. Vous voyez, on a... On finit de, bien sûr de couvrir la surface, on va pas, on va chercher à éliminer, bien sûr, toujours le blanc hein, de l'assiette, hein, tout simplement. On veut recouvrir avec notre merveilleux produit ibérico, hein, avec notre jambon de Cebo de Campo, en l'occurrence. Et on fait comme ça. Et là, pareil, on recommence. Hop. Clac. On soulève. Et on remet. Voilà. Donc là, on ne sait jamais trop, finalement, où a commencé la dépose. Hein. C'est un petit peu... On cherche à la faire, bien sûr, en rond, hein, plutôt comme ça. Et là, on va encore finir de disposer quelques tranches. Hein. Là, pourquoi pas, on peut changer de sens encore. Là, je mets le gras plutôt à l'intérieur cette fois. Vous voyez, comme ça. Voilà, quand il y en a de ce côté, je mets plutôt comme ça. Bon, là, on vous donne pas mal de secrets. Hein. On n'a pas hésité aujourd'hui. Alors hop, comme ça. Voilà, et là, on a presque fini. On va aussi réutiliser les petits tacos qu'on a mis de côté, là, vous voyez en bas du jambon, enfin sous le jambon, pardon. On suit ici. Alors après, ce qu'on aime bien, enfin moi, ce que j'aime bien faire aussi, on peut réutiliser une partie du gras, hein, tout simplement. Hein. On peut faire des petites roses, des choses comme ça. Vous allez voir, c'est pas difficile. Je vous en ferai voir une aussi. Voilà, alors là, hop, on y est. Donc on a fait notre tour. Toujours la même histoire. On relève. Et voilà. Donc là, on est arrivé au centre. On redresse un peu nos... Et on cherche bien sûr la forme ronde, là, dans ce cas-là. Voilà, comme ça. On contrôle l'extérieur, on l'avait déjà fait. Et là, ce qu'on va faire... Vous voyez les petites parties que tout à l'heure j'avais mis de côté. Tout simplement, eh bien, on peut s'amuser à faire des petits carrés, des petits losanges, des petits triangles. Alors c'est simple, hein, on fait des lanières. Ce qui ne nous sert pas, on l'abandonne ou on le consomme. Alors, là on va faire plutôt des petits
losange. Alors comme ça, ça va ressembler un petit peu à des diamants ibériques. Vous allez voir, c'est assez joli. Alors là, je vais en mettre que 8 par exemple, pour aller un peu vite, mais on pourrait très bien en mettre, sans aucun souci, on pourrait en mettre beaucoup hein, sur l'assiette. Alors, je commence toujours là-haut. Vous voyez, un petit losange bien, bien positionné. Là, je vais mettre de la pince parce que c'est vraiment petit. Voilà, comme ça, je me guide. On peut utiliser le couteau, hein, bien sûr, toujours comme ça, on le centre, clac. Et on va poser ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on part à 3 heures sur notre horloge. Ici. On part de l'autre côté maintenant à 9 heures. Puis après, on les met au milieu, tout simplement. Comme ça. Comme ça. Comme ça, vous voyez, hop. Voilà, on a fait un petit tour, hein, comme ça, donner un petit peu plus de richesse ou de joie, hein, finalement, à notre assiette. Hein, c'est un petit peu ça, l'objectif. Alors, un petit contrôle avant de... Hop, vous voyez, avec le couteau, hop, celle-ci, on la redresse un peu. Petit contrôle, voilà, c'est bon. Et là, on peut... Alors, on peut... Attendez, je vous fais voir comment on prélève une... Alors, on pourra en faire d'autres avec ce qu'on a ici, hein, bien sûr, sans aucun souci. Et là, vous voyez... Je prends avec mon couteau, comme ça je fais une longue lanière. Je peux très bien, en l'enroulant comme ça autour du couteau, tout simplement, on va faire une petite rosace rapidement, hein, vous voyez. Hop, on tourne comme ça, hop, et on l'enroule. C'est tout simple. Hein. Hop, on la pose ici, on l'écarte un peu comme ça. Et après, on va lui donner un deuxième tour, voire un troisième tour encore. Hein, pour lui donner du volume, de la forme, un petit peu de... Vous voyez, comme ça, hein, je suis obligé de mettre le gant, hein, vous voyez, comme ça. On peut chercher à faire des pétales hein, de gras, d'ibérico, il n'y a aucun problème. On n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut. Et un troisième tour encore, pourquoi pas. Vous voyez, ça va lui donner encore plus de surface. Voilà, comme ça, hop. On pourrait faire un quatrième, un cinquième tour. Voilà, on est libre, on est créatif, on y va, on se fait plaisir, tout simplement. Voilà, comme ça. Donc là, vous voyez, je m'arrête. Vous voyez, comme ça. Alors, l'assiette qu'on avait, la dernière, on peut aussi rapidement la terminer. Hein. Donc, celle qu'on avait avant, vous voyez, c'est très rapide là, de la terminer. On reprend la partie principale ici. Hop. Et là, je finis mon tour, par exemple. Là, comme ça, on aura fait trois assiettes. Vous voyez, celle-ci, présentation classique. On peut même la décaler un peu. Vous voyez, on pourrait décaler les angles un peu comme ça. Tout simplement. Hop. Je lui ai mis quoi, 15 degrés, 20 degrés, pas plus. Vous voyez, ça lui donne aussi une autre forme. Hop. Un peu décalé, comme ça. Hop, on peut faire ça, c'est pas défendu. Hop, donc là on continue. Je vais retirer ceci. Hop. Alors on continue. Hop. Voilà, j'en profite pour bien redresser mon jambon, hein, tout simplement. Tout à l'heure, on s'est appliqué un peu plus d'un côté que de l'autre. Donc là, je le redresse. C'est-à-dire, je coupe de haut en bas. Je le rectifie. Je fais mon contrôle éventuellement avec mon couteau. Pour voir où j'en suis. Vous voyez, comme ça. Et hop, voilà. On l'égalise, hein, tout simplement. Et là, on arrive au bout hein, de l'assiette qu'on avait commencé avec des tranches un petit peu moins... Joli, hein, des tranches initiales, tout simplement. Hein. Et hop. On tranche un petit peu sur toute la zone, hein, bien sûr. Hop. Voilà. Comme ça.
Là, on y est, on arrive au bout de la troisième assiette. Bon, là, on a pris notre temps, hein, parce qu'on voulait vous expliquer, hein, on voulait vraiment vous donner un maximum de détails. Pouvez-vous vous imaginer que sur un événement, quand vous avez du monde autour de vous, qui en plus vous voit faire, ça donne encore plus envie, hein, d'être encore plus près. Hein, donc on espère aussi qu'une prochaine fois, on ira vous faire voir directement sur place, chez vous. Vous voyez, quand on a une tranche toujours un comme ça, voilà, on peut la retravailler. Voilà, j'y suis presque. Encore deux, trois tranches. Alors, j'en profite pour bien nettoyer mon os là, tout autour, hein, pour bien laisser bien net, hein, pour la suite. Alors, vous voyez, comme ça, je redresse, je dégage. Hein. C'est plus joli aussi à la caméra, hein, d'avoir l'os comme ça, ici, bien, bien dégagé. Alors, on s'applique jusqu'au bout. Et voilà. Comme ça, un petit peu décalé ma tranche, voilà. Ah, vous voyez là, les tranches sont très jolies. Hein, on est en plein centre. Là, vous voyez, c'est vraiment là, c'est vraiment la tranche typique, hein, du jambon ibérique, hein, avec ce côté comme ça très persillé. C'est vraiment magnifique. Hein, c'est incroyable. Hein, c'est un super produit. C'est là. C'est la star ici, hein, c'est la star gastronomique. Hein. Voilà, alors toujours pareil, dernière tranche, qu'est-ce qu'on fait? Je répète, on va chercher à cacher la dernière par la première. Hop, donc on soulève, toujours pareil. Et on repose par-dessus, même si, voilà. Alors là, ici, voilà, on peut chercher à faire un dernier petit tour. Vous voyez, on peut présenter comme ça. Voilà. On peut refaire un petit monticule comme tout à l'heure. Hein, ce n'est pas défendu. Vous voyez, on peut refaire encore si on veut comme ça. Hein. Voilà, si on veut. Ou sinon, on peut tout simplement croiser les tranches aussi. On peut les poser comme ça. En ligne aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Là, cette fois, en montrant plus le gras. Vous voyez, comme ça. Allez. Regardez, je reprends ma coupe en revers. Et voilà, vous voyez, là, je termine par carrément une ligne de tranches de pointe, hein, de punta. Hein. Comme ça. Voilà, une ligne droite. Voilà, bah écoutez, je vous fais voir la dernière assiette, c'est pas forcément la plus jolie, on peut la retoucher un peu pour la recentrer. On avait volontairement décalé un petit peu l'angle des tranches ici. C'est bien de laisser l'espace ici pour emmener l'assiette sur table. Vous voyez, comme ça. Voilà. Donc on a trois assiettes différentes. On a travaillé deux zones différentes. Alors, le dernier conseil, avant de passer aux questions, donc ça, bon, ces zones-là, on les garde de côté. En cuisine, on ne va pas les perdre, hein, on pourra faire autre chose avec. Donc là, nous, on va conserver bien sûr le jambon avec les zones de gras qu'on avait mis de côté. Hein, vous voyez, donc là, je les reprends. Elles sont longues, molles, et surtout, elles vont bien adhérer la chair. Donc ça va permettre d'éviter un maximum l'oxydation, hein, du jambon. Ensuite, on le conserve en général quand même à température ambiante, ici, en tout cas en Espagne. Mais pas forcément dans une zone où il y a des odeurs. Hein. On éviterait par exemple la cuisine pour ne pas altérer l'odeur du jambon. Mais voilà, une pièce tempéré, et surtout, alors, on pourrait bien sûr filmer, hein, avec le film alimentaire, et sinon, on pourrait aussi tout simplement, comment dire, mettre voilà, un panneau, donc un petit linge par-dessus, vous voyez, comme ça, ça suffirait. Et voilà, là, on a protégé notre jambon, et là, on va le garder, on va dire, jusqu'à, comme ça, pendant 4-5 jours, sans problème. Hein. Donc, il faudra ensuite le rafraîchir. Donc, on termine notre découpe, comme ça. On sèche un peu notre présentoir, nos couteaux. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On va passer à quelques questions que je vois apparaître en ce moment. Alors, voilà, on y va.
Combien de temps pour apprendre à couper un jambon complètement et pour avoir un bon résultat de découpe? Alors là, je dirais que c'est un petit peu, comment dire, c'est en fonction de la personne certainement, mais c'est surtout en fonction des conseils qu'on vous aura donnés. Moi, dans mon cas personnel, je crois que j'ai détruit au moins 3 jambons ibériques et, avant de commencer à trancher correctement, mais parce que je n'avais pas reçu de conseils à l'époque. Ensuite, je me suis formé avec un trancheur professionnel, bien sûr, de renom, et qui m'a apporté, bien sûr, toute cette connaissance que je vous ai transmise aujourd'hui. Donc, je pense que, voilà, il faut à peu près... Avec les conseils, je pense qu'un ou deux jambons, c'est largement sûr. Enfin, vous y êtes déjà, hein, en suivant toutes ces étapes qu'on a bien décrites aujourd'hui. Donc voilà. Mais surtout, faut pas perdre patience, faut s'entraîner, faut pratiquer à découper, bien sûr, le jambon ibérique. Alors ensuite, une autre question. Est-ce que vous pouvez nous dire combien doit contenir une assiette pour la servir dans un restaurant? Alors ça, c'est assez variable. Et je sais qu'il y a certains restaurants qui font plutôt des rations de l'ordre de 70 grammes, 80 grammes. Ça monte jusqu'à 100 grammes en général. C'est un petit peu la norme, hein, je dirais entre 80 et 90 grammes, c'est un peu la norme. Par contre, vous voyez que sur des grandes assiettes comme ça, là, on a dépassé. Hein. Là, je dirais, sur une assiette de cette taille-là, je pense qu'on y est, là, autour des 90-100 grammes, on y est. Par contre, là, je pense qu'on est déjà à 120-140. Hein, 160, donc, vous voyez, c'est variable, ça dépend de la taille de votre assiette, finalement. Alors, est-ce que vous croyez qu'un maître trancheur, qu'être maître trancheur, pardon, ouvre les portes dans le monde de l'hôtellerie? Alors, pour moi, j'en suis complètement convaincu. Je pense que c'est un plus, c'est comme une spécialité dans le monde de la gastronomie. C'est en plus un métier d'avenir, finalement, parce que très valorisé aussi en Espagne, mais qui deviendra de plus en plus à l'extérieur, hein, sur les marchés extérieurs de l'Espagne. Donc, je pense que le fait de savoir trancher un jambon ibérique, le fait de savoir le présenter, de l'expliquer, etc., c'est un plus, tout simplement. Hein. C'est une médaille sur votre curriculum, tout simplement. Voilà, donc définitivement, oui. Ensuite, est-ce que vous pouvez donner des conseils pour la découpe du jambon? Ouais, je vous les ai donnés, hein, donc on a remis le gras, et puis tout simplement, voilà, on peut mettre un film alimentaire, on peut bien sûr mettre comme ça un linge par-dessus, hein, en tout cas, voilà, protéger d'une attaque directe de quelqu'un de gourmand. Et ensuite, dernière question... Peut-on avoir un code barre de jambon pour tester l'application? Alors oui, tout à fait. Et une question extrêmement importante. Vous voyez, pour qu'un jambon soit considéré ibérique, il faut qu'il ait l'une des 4 étiquettes qui sont derrière moi. Donc soit blanc pour le cebo de campo, pour le jambon cebo, avec 50% de race ibérique jusqu'à un maximum de 100% de race ibérique. Ensuite, on a l'étiquette verte avec cebo de campo. Avec 50% de race ibérique jusqu'à 100% de race ibérique. Ensuite, on a l'étiquette rouge, Bellota, avec 50% de race ibérique jusqu'à 75%. Et, voilà, et ensuite, l'étiquette noire pour le 100% de race ibérique. Là, vous avez un numéro qui est un petit peu le DNI, le numéro d'identité finalement de votre jambon. Donc, il suffit simplement de scanner ce numéro avec l'application Ibérico de Assisi et vous aurez carrément toutes les informations nécessaires pour le jambon. Voilà, donc en fait, j'espère finalement que... on peut faire le test peut-être avec un portable ou... ¿Hacemos la prueba con un numéro, con un móvil? Est-ce que no tengo un móvil? Ok. Voilà, donc c'est ici. Hein. Voilà, le numéro. Ah oui, ok, excusez-moi, je vous communique le numéro et vous allez pouvoir faire le test vous directement avec l'application. Donc 15 71 29 61 30 07. Hein, je vous répète le numéro de celui-ci en l'occurrence. Hein, vous verrez beaucoup d'informations sur celui-ci, je le répète encore une dernière fois. 15 71 29 61 30 07. C'est le numéro de celui-ci qu'on a tranché, qu'on a mis en assiette. Voilà. Bon, écoutez, faites le test, vous allez voir, l'application fonctionne extrêmement bien. En dernier lieu, je vous remercie pour votre attention, hein, pour votre présence. C'était vraiment un grand plaisir, un immense plaisir pour moi de vous apporter tous ces conseils, tous ces détails, hein, finalement, autour de la découpe du jambon ibérico. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on vous dit à une prochaine fois. Au revoir. Do you know when an impulse leads you to want more? To look for more, to yearn for ham, Iberian ham, over and over again, over and over again, over and over again. Ham, the passion of Europe. Enjoy, it's from Europe.
Eh bien, avant de vous dire au revoir et après avoir profité de cette masterclass, de cette séance de formation, je voudrais vous remercier avec beaucoup de plaisir que vous nous ayez accompagnés, surtout pour que dans l'avenir, votre profession et cette valeur, c'est-à-dire que vous puissiez apprécier la valeur d'un produit emblématique, comme nous avons expliqué, d'où il vient, les origines, comment il s'élabore, comment il se coupe. Après cette masterclass de coupe qu'on a eue. Et pour nous, ça serait vraiment un véritable plaisir de vous accompagner dans ces formats de streaming ou dans un format présentiel, évidemment, si c'était possible. En tout cas, pour nous, depuis l'association interprofessionnelle et en tant que président, je remercie le travail de tous et votre présence. Votre présence dans les différents formats que nous avons organisés. Merci beaucoup à tous de votre présence. Feel it all. Feel that there is nothing else like it. Feel perfection, freedom, philia, the breathe. The light through its marbling. Feel your eyes close. The aroma, that unique flavor of Iberian ham. Feel its reminiscence in your mind. Nature. Feel the desire to have it, the need to share it. Feel another level, with intensity, because this is how passion feels. Because this is how ham, Iberian ham, is enjoyed. Ham, the passion of Europe. Enjoy, it's from Europe.